c'était un plaisir. Test. Deux. Ah, ça va mieux. Non, non, c'est mes configs. Attends. Ok, et là? Nice. Bonsoir. Et bonsoir camarades, quel plaisir, mais vraiment quel plaisir de vous retrouver. J'espère que le son ça va, désolé pendant la petite intro, mon petit crazy, j'ai dû te péter les oreilles. Mais justement, j'avais fait exprès justement pour tester un petit peu la qualité du son. Je suis content, ça a l'air d'être revenu. Évidemment, c'est parce que j'ai lancé un petit soft qui gère le son après, pour modifier un petit peu ma voix. Si c'est nécessaire, notamment ce soir. Et du coup, voilà, j'étais sûr que ça allait causer des problèmes, donc
quelque part, je suis content d'avoir fait ça sur l'écran de démarrage. En tout cas, voilà, des bisous à tous. Comment ça rip? Crazy, dis-moi que ça fonctionne parce que j'ai plus le retour casque là. J'espère que ça va bien. Attends, tu me fais douter, espèce de fripouille. 1, 2. Ah, mais non, ça fonctionne. Merci, Crazy. Ah, du coup, je me suis mis le retour casque, mais c'est horrible de s'entendre parler avec un peu de latence. C'est juste horrible. Du coup, je disais, un vrai plaisir de revenir en live. Ça faisait trop longtemps à mon goût. De toute façon, je le sens quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas live. Athénaria, oui, de retour. Yes. Enfin de retour. Et ça fait plaisir, vraiment. Voilà, c'est pas que je veux pas vous voir. C'est pas que je veux pas live. J'en ai très envie. Ça me manque à fond. C'est juste que le travail me prend beaucoup trop de temps. Et puis, en plus, ne me permet pas de planifier des choses. Donc, bon, ça, je commence déjà un petit peu à vous fatiguer avec tout ça. Athénaria, c'est la patronne du Golden Koi. Enfin, en RP, c'est ça. Après, je crois que la patronne du Golden Koi a des choses à nous dire. C'est qui à l'Auxerre aussi? Espèce de petit troll. Et du coup, voilà. Donc, bon, je vais arrêter de parler de mon boulot, mais évidemment, voilà, s'il n'y a pas beaucoup de live, encore une fois, je suis désolé. Croyez bien que je suis l'un des premiers pénalisés par ça, parce que être avec vous, être en live, c'est toujours un plaisir. GTRP, ce soir, on y retourne. On va voir un petit peu ce que ça donne, parce que ça fait un petit moment hein, qu'on a déserté un petit peu le serveur, alors pour les raisons qu'on vient d'évoquer, hein, et puis aussi parce que, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le serveur sur lequel on joue, hein, donc Globality RP, est un serveur qui est en pleine migration vers l'illégal, hein, donc c'est un serveur qui jouait principalement sur du RP civil, et ça s'est senti. Et qui est en train d'ouvrir progressivement les portes des activités illégales. Donc nous, malheureusement... Salut camarade, bienvenue à toi, merci beaucoup. Merci camarade pour ton follow, c'est super sympa, ça soutient énormément. Et du coup, voilà, donc je disais, ouais, c'est un serveur voilà, qui s'ouvre doucement. Le problème de nos RP sur ce serveur, c'est que très vite, nos personnages se sont orientés en fait, vers des activités illégales qu'ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est juste pour le petit résumé. Et là, il paraît qu'il y a 2-3 changements. Donc, on va quand même pouvoir faire quelques trucs. Mzungu, problème 5M. Alors, regarde Mzungu sur le Discord de Globality. Alors, c'est Crazy qui va te dépanner au mieux, je crois. Hein, mais moi, ce que je ferai, c'est je viderai le cache de 5M et je relancerai 5M. Jusqu'à ce que ça passe, mais il me semble que depuis leur dernière mise à jour, tu avais besoin de vider le cache pour pouvoir tout retélécharger proprement. Je crois que c'est ça. Crazy va m'arrêter normalement d'ici quelques secondes pour me dire mais non, Alocer, t'as tort. et je lui fais entièrement confiance. 3S, yo camarade, merci encore pour ton follow, c'est adorable. Et Athénaria, dans 3 jours, 2 mois d'abonnement. Attends, j'ai dû rater un truc là, ça va pas. Je me rappelle pas les gens, ça fait trop longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas live. Ça fait plaisir de revenir. Enfin, longtemps, en vrai, ça doit faire quoi, une semaine, hein, mais c'est déjà trop pour moi. Si je fais pas 3-4 lives dans la semaine, je suis pas bien. Hein. Je suis pas bien. Soit ça, ou sinon tu forces le connect. Ah bah ça va, Crazy est d'accord avec moi. C'est passé au forcing. Voilà. Souvent c'est soit les deux trucs. Soit vider le cache ça fait du bien, soit tu tentes et ça finit par passer. 3S, pas de soucis. Voilà, pas de soucis. On se verra bientôt en RP. Oh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ne me dis pas qui tu es. Enfin, sauf si tu souhaites le dire. Hein, mais en tout cas, grand plaisir de te croiser en RP. Ça va faire 2 mois que je suis abo. Athénaria, ça va faire 2 mois que t'es abo? Que t'es abo à la chaîne Twitch? Are you joking? Je me souvenais pas que ça faisait si longtemps. Ou alors je t'ai mal compris, camarade. Mais il me semblait pas hein, que ça faisait si longtemps. 3S. Ah, 3S, tu viens de chez Mr. Crazy. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est un plaisir alors de t'avoir en live et alors du coup ça veut dire que tu joues pas sur Globality, tu fais partie du projet avec Crazy et tu seras sur le prochain j'imagine,
sur le prochain serveur. Enfin, du moins sur celui que Dev Crazy. Bah écoute, oui, ce sera un grand plaisir en tout cas. Carrément, carrément. Mzungu, bravo Dada, tu gagnes un sushi. C'est ça. Ah oui, ça va faire bientôt 2 mois, Athénaria. Tu vois, je savais pas. Je savais pas. Merci encore, Athénaria, en tout cas. Et 3S, je me suis pas planté. Voilà, nice. Bah, ça fait plaisir, en tout cas. Et puis, vivement, hein, Crazy, Crazy, donc qui monte son petit serveur. Crazy, j'en ferai de la pub, évidemment, en temps, en heure. Hein, mais pour le moment, bon, tout est encore un peu en construction. Mais c'est sûr que c'est un serveur que je vais surveiller de près. Athénaria, la best. Oh, peut-être pas déconner quand même. Je plaisante. Évidemment, évidemment. Et du coup, voilà, l'objectif du live de ce soir, bah déjà, c'est de se retrouver un petit peu en live parce que ça faisait un bail. Et ça me fait plaisir vraiment. Ensuite, c'est de voir en notre absence un petit peu comment les choses ont bougé à Los Santos. Et plus particulièrement, donc, sur Globality, voir un petit peu ce qui a changé, voir ce qui s'est organisé. Est-ce que la ville est un petit peu plus mal famée que quand on l'a quittée? En tout cas, on l'espère parce que voilà, c'est la volonté de nos personnages et de nos RP. Donc, ce serait vraiment sympa de pouvoir. C'est un peu bizarre quand je vous regarde comme ça. ce serait sympa de, voilà, de pouvoir aller au bout de nos scènes RP illégales. Donc on va voir ça, on va faire des tests, évidemment on va retrouver certainement du monde, et puis surtout on va mettre un petit peu à l'épreuve le serveur, même si encore une fois, soyez indulgents, c'est super important, ils ouvrent la porte de l'illégal, c'est en train d'arriver, c'est pas, enfin voilà, moi je m'attends pas à ce que tout soit là, c'est impossible, ça va venir petit à petit, mais on va déjà essayer de voir un petit peu les changements et noter tout ça. Donc ça c'est, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver Matt Morel déjà. Est-ce que je sais toujours faire sa voix? Ouais. Non, ça c'est un peu trop. Mais dans l'esprit, on y est. On va pouvoir y retourner. Et puis surtout, il va falloir que je bouffe en fait. Il va falloir que je mange un petit peu. Si la best m'en fout, je te l'accorde, Crazy, pas de problème. Ok, la best. Mais j'ai vu que Athénaria participait au projet avec toi. Mais c'est stylé. C'est stylé. Tu vois, tu me présentes 3S, je te présente Athénaria. C'est un échange de bons procédés. Et puis, on va surtout très vite bouffer, là, parce que je parle, je parle. Ah! On en était là. On en était là. C'est vrai que j'avais dû vendre des sushis. Je m'étais peut-être un peu déconnecté à l'arrache. En tout cas, on a bouffé. Parce que Matt Morel, il a une tendance un petit peu. Comment dire? Il a une tendance, pardon, au malaise vagal, à l'hypoglycémie. Et j'ai pas envie d'en faire ce soir. Le but, on va essayer de minimiser les fails. On va essayer d'être très pro. On va essayer de faire des actions dignes des plus grands films d'action ou des plus grands policiers. Sauf que cette fois, ce sera les méchants qui vont gagner. Enfin, en tout cas, sur le papier, ça devrait donner ça. Rendez-vous au hypno machin. Alors, on n'ira certainement pas à la soirée. Peut-être faire un tour. En vrai, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il va y avoir un regroupement de joueurs quelque part. Peut-être ça va nous donner un peu l'opportunité de faire ce qu'on voulait faire. Alors, attendez que je me souvienne un peu les touches. Putain, c'est fou en une semaine ce qu'on perd. Alors, on n'a pas eu de message. Ce qui est plutôt bon signe. Parce que j'avais peur d'avoir des messages à lire. La méga tagada best. Il faut que vous me racontiez ce délire autour de la tagada là. J'ai pas compris votre histoire. Et Athénaria, à tout à l'heure. Je sais pas si tu viens jouer, mais à tout à l'heure. J'espère, parce que Matt a besoin de son salaire. Déjà, voyons si le petit Léo est réveillé. Et on part un petit peu en RP, les gars. Évidemment. Bouton rouge, Régis. Ah, merde. Et le petit Léo n'est pas encore réveillé. Quand même pas devoir appeler un taxi, non? Ok, bon, lui, il est pas réveillé.
Et visiblement, le véhicule avec lequel je suis venu a disparu. Et puis, ça fait une trotte jusqu'au Golden. Ah, peut-être. Bah, de toute façon, on va appeler un taxi. Hein. Y a bien un mec qui bosse ce soir, non? J'avais oublié ça. Ça, faut vraiment qu'il change le ragdoll dès que t'écris un message. Ah! Ouais! Ouais, c'est toi qui m'as appelé. Ouais, c'est moi qui t'ai appelé, mais. Ouais, ça fait un bail. Putain, tu m'as réveillé. Le téléphone était super loin. Ah, mais y'a pas de problème, mon petit Léo. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas eu au téléphone. Ouais, y'a pas de problème. Tu m'as réveillé quand même, mais ah. Ça va. Ah merde, bah tout. Attends, écoute, il est quand même 21h40, il est temps de te lever, mon grand. C'est vrai. Dis-moi, qu'est-ce que ça dit de beau? Bah justement, tu vois, là, quand tu m'as rappelé, j'étais en train de commander un taxi parce que tu vas pas le croire. Moi, tu connais mes petits problèmes de santé, l'hypoglycémie, tout ça, etc. Mais je pense qu'il doit y avoir l'hypersomniaque aussi dans l'histoire. Et je me suis ça, endormi. Aussi. Je me suis endormi sur la porte de vente de sushi, là. Oh. Ah ouais, quand je me suis réveillé, bon, je pense que c'est la patronne, elle a dû récupérer le véhicule et je me retrouve un petit peu comme un con, quoi. Ah ben bah, je peux venir te chercher, par contre faut que j'aille prendre la voiture au garage et tout, et après faudra qu'on passe chez moi si c'est possible, faire des allers-retours là, enfin chez moi, pas chez nous, à l'appart là, parce que je l'ai pas rendu. Ah. Je crois que je les ai embobines et j'ai encore tous mes sous sur le compte, donc ça m'a l'air bon. Sacré Léo, je sais pas comment tu fais pour contourner le système, mais bah écoute, tant mieux pour toi. Ça a l'air de hein. Bien s'être passé, mais comme ça on pourra faire un petit aller-retour, parce que là je peux pas prendre, j'ai pas assez de place dans mon sac. Ok, ça marche. Bah écoute, pour le moment, j'ai envoyé mon message au taxi en fait, donc s'il vient me chercher avant que tu sois dispo, bah je te préviens, je te passe un petit coup de fil. Et puis sinon je t'envoie ma position. Eh bien, envoie la position quand même, au cas où, et si vraiment, si le taxi arrive, tu me dis où tu... il t'emmène où. Je compte aller au Golden, là, faut que je récupère mon salaire. Je compte pas bosser, hein. Je pense que j'ai assez bossé. La preuve, je me suis endormi sur la porte du boulot, quoi, pour tenir. Donc, Il faut arrêter un peu, hein. Ouais, j'ai bien envie d'aller me promener, si tu vois ce que je veux dire, mon petit Léo. Un petit coup de pêche. Un petit coup de pêche, on va voir si la canne est réparée et si ça mord pour une fois. Je descends, je vais chercher la voiture et je viens par là-bas. Si je te vois pas, envoie-moi la position et si je te vois pas, j'irai au Golden. Ouais, bah on fait comme ça, je t'envoie ma pose et puis on voit qui arrive le premier. Mais je te préviens hein, si le taxi me récupère. À de suite. À toute mon petit Léo, merci encore. Hein. Ah, quel amour ce petit Léo, toujours prêt, toujours serviable. Mais tiens, par contre, ça m'emmerde de l'avoir réveillé. J'espère qu'il va pas être de mauvais poil. Alors, Anton Leonetti. Impeccable. Bon, on va voir qui intervient en premier. Normalement, quand on fait un message comme ça, Crazy, je sais pas si tu connais ce script. HRP, pardon, évidemment. Mais ils reçoivent ma position, en fait. Quand tu leur envoies un message. Mais c'est bizarre que quand je leur écris comme ça, par contre, je ragdoll, c'est chiant. Quand on fait un SMS, ça le fait pas, mais sur ces écrans-là, ça le fait. Il faudrait que je le signale, en fait, aux admins du serveur. C'est vrai que du coup ça casse un peu l'immersion. T'écris un SMS, tu t'évanouis. Ils sauront pas le régler. Ah ouais, c'est si compliqué. Parce que ça marche sur un texto en fait. Alors je sais pas si je vais le faire. Si tiens, le petit Léo il va comprendre. Ah. Je dis que ça marche et c'est la sauce. Merde, comment on envoie. Bah, c'est pas mal ça. Comment on envoie un SMS, bordel? Ah, voilà. Oui, sur ce menu-là, ça se passe très bien. Si je fais UUU, test, et je m'évanouis pas. C'est vraiment sur l'autre type de SMS, là.
sur cela. ça nique un peu le RP, c'est dommage. Ou alors faut que ce soit un nombre pair de U, ta phrase. Tu vois, faut réfléchir à ce que tu envoies. Bon, on va aller chercher le salaire. Ouais. T'es obligé de parler si fort, toi. Putain, en fait, je disais que le petit Léo était peut-être de mauvais poil parce que je l'avais réveillé, mais en fait, c'est moi qui suis de mauvais poil. Ce soir, il va falloir que ça bouge. Bon, pour le moment, ni taxi, ni Léo. Bon, alors Léo, on vient de le prévenir, je peux comprendre. Ah, c'est peut-être un peu trop haut, ça. Ah, décidément. Excellent. Ah, j'adore me remettre la colonne. Et ici, peut-être. Oui, on est bien, là. À mon âge, il faut savoir s'économiser. Mais tiens, je suis con, je vais peut-être appeler la patronne. Milena Moon. S'il n'y a personne pour me donner ma paye, ça va pas. Oh! Allô, allô? Ah. Voici votre chauffeur. Ah, je sais pas. Oh! Attendez, patronne. Tu m'entends, ouais, Léo? Oui, tu as le temps. Hein. Oui, pardon, je suis au téléphone, Léo, excuse-moi. Je suis avec la patronne. Oui, non, mais tu as le temps, hein. Parle, discute. Hein. T'es un amour. Oui, patronne, excusez-moi, c'était juste pour savoir si vous étiez au Golden. Non, je suis à la soirée devant le grand écran, là, au 8004. Ah. Parce que j'aurais bien aimé récupérer mon salaire. Oui, mais je l'ai sur moi, votre salaire. Ah, bah, impeccable. Ah, bah, alors, j'arrive. À tout de suite. Pas de soucis, à tout de suite. Merci, patronne, un amour. De rien. Salut mon petit Léo! Ouais, ça va? Ah putain, si ça va, j'ai bien dormi, hein! Eh, moi aussi, c'est Attends. Un plaisir en tout cas! Tu vas rire, je trouve plus le trou de la ceinture. Ah, c'est bon! Ah! C'est bon! Ouais, ça va, t'as pas tout cassé! Bah ouais, non, ah, t'es vraiment italien! Hein. Ah non, pardon, corse! Ouais, oh! Non, parce que tu parles avec les mains levées, c'est pour ça! Ah! Les mains levées. Non, je fais pas ça, moi. Je te jure, on garde les mains sur le volant. D'accord, bah écoute, ça doit être... Tu sais, je viens de me lever. Hein. Ah, voilà, là, ça va mieux pour moi. Eh ouais, ok, je comprends. Comment ça va? Bah, ça va, hein, ça va. J'ai entendu que tu avais rendez-vous quelque part, si jamais, mets-moi un point. Alors oui, du coup, c'est pas le Golden Koi, parce que la patronne est à la soirée, et elle a mon salaire sur elle, cette inconsciente. Ah, il y a une soirée? Ouais, il y a une petite soirée. Bon, alors, je suis pas toi, hein, mais moi, j'avais pas forcément l'intention. Tu m'as mis de la musique, là. Vas-y, enlève-moi la musique, s'il te plaît. C'est pas vraiment foufou. Moi non plus, je suis pas fan de la musique. Bon, moi, mets-moi un truc corse, tu vois, un petit chant, là. Ouais, mais allez, non, mais... Allez, nous prends en photo, ça, c'est la musique, ça. Mes oreilles n'aiment pas beaucoup la musique. Ah, putain, j'ai passé le truc. Je sais bon, pas... Bon, c'est les embouteillages, en face. Je vais te mettre la position un jour ou l'autre. Un petit jazz là, un petit jazz. Magnifique. Attends. Voilà, ça c'est ma radio préférée. Ah, moi aussi. C'est celle-là que je mets en général. Alors, je vais te mettre la localisation GPS. Et ça remet cette putain de musique, j'en ai marre. Pourquoi ça remet Excellent. Ouais, sur la radio, fais le A. Le A, après tu peux couper. Je te propose. Attends, ouais, mais parce que. Putain, je suis sûr. J'arrive, excuse-moi. Bon, je m'occupe de la radio. J'ai dormi. Ah, c'est bon, si, c'est bon. J'ai dormi trop longtemps. Oui, ben c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Tu m'étonnes que c'est bon. Ah, j'ai eu l'impression de le faire, c'est bizarre. Alors, attends. L'emplacement de la soirée, je crois que c'est. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau ces derniers jours, mon petit Léo? Ouais, pas grand chose, j'ai dormi un peu, puis j'ai arnaqué surtout la compagnie là, qui me loue l'appart. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, mais comment ça se fait? Ouais, j'étais dans les papiers, j'ai fait 2-3 papiers, enfin, c'est toute une histoire, mais il en vient que pour l'instant, ça va, je suis encore c'est pauvre. T'as fait quoi? T'as changé de carte de crédit et t'as pas donné la nouvelle, donc ils peuvent pas te prélever, c'est ça?
Non, mais j'avais pas donné un vrai nom. Parce que tu sais, il signe vite là-bas. Donc j'avais pas donné mon nom. Oh Donc. putain, s'il signe vite. Je sais pas combien d'argent j'ai perdu à cette Toi, par location. contre, c'est le bordel là. Ouais, il y en a du monde ce soir. Et lui, il veut pas passer derrière, il veut se faire écraser. Hein. Non, non, forcément. Bon, après, tu me diras, il est sur le trottoir. Hein. Bon, on est parti, hein. Sinon on va rester là 2 heures. Ouais, c'est bien vrai. Bon, merci en tout cas, hein, mon petit Léo. Oh, bah avec plaisir, hein. C'est ça fait longtemps en plus. Ben ouais, franchement, ça fait un bail. Bon, je t'ai pas appelé pour me dépanner uniquement, hein, vraiment, mais voilà, je me suis dit c'est l'occasion de te Oh, revoir et mais je puis. me doute, hein. De toute façon, j'ai beaucoup dormi et beaucoup fait des papiers, donc j'étais pas très disponible. Non, moi aussi, là, j'ai bossé beaucoup là ces derniers temps, c'est pour ça que je me suis retrouvé là, mais sinon, Non, mais. j'ai enfin fini pas mal de choses sur le continent et je pense que on va vraiment pouvoir débuter cette vie à Los Santos. Ah, c'est sympa ça. C'est Ouais, une toi. bonne nouvelle. Ouais, ça va faire plaisir. Tu sais ce que c'est cette soirée là? Alors, pas du tout, j'ai même pas vu moi qu'il y avait une soirée. Tu l'as vu où? Ouais, je l'ai vu sur Twitter en me réveillant. Ah, mais non, j'ai pas fait gaffe. Bon, attends, je peux regarder, tu me diras, mais c'est marqué. c'est marqué rendez-vous à l'hypno Nema pour la soirée. En gros, hein. Oh, l'hypnonéma, c'est le truc, c'est l'écran géant là. Ouais, oh merde. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah oui, je vois, toi tu as répondu T. Ouais. Magnifique, Ouais, magnifique. je me suis mis au thé, le café, ça me retourne le bide. Ah, c'est pour ça. Exactement. Et Merde. tu leur dis, tu préviens tout le monde, on ne sait jamais. Si c'est une Ouais. soirée café, au moins ils te disent. Ah, j'aime pas m'exposer sur les réseaux, tu sais, moi, tout ce qui est Bah, Twitter, ça arrive. Facebook, Twitch, je suis pas trop de ces conneries-là. Ah oui, mais il y a du monde. Waouh, cette entrée, mon Il a petit fait. Léo. Attention. Oh putain, il y a la zik et tout, hein. Ah, mais c'est Ça bon rigole ça. pas. Mais c'est une soirée illégale. Comme d'habitude. Non, non, elle est légale. Bonsoir, police du Golden Koi. Bonsoir. Pardon. Un peu dans le coffre. Est-ce que Oh, vous c'est avez pas des mal. sushis? Sinon lui il en a. Ah, j'ai plein de Non, c'est sushis. bon, Ouais. j'ai. Affirmatif. Ça va, patronne? Oui, Vous êtes toute belle. Oh, Non, ça tu l'as c'est pour vu? la forme. Il est rentré dans le gobelet. Ouais, non, mais c'est Ah. parti faire C'est un gobelet magique. C'est. Non, Bah, c'est attendez, quoi ce magicien éloignons-nous un peu, là? patronne, si vous voulez Ah, bien. ouais, C'est un là, parce qu'on magicien. n'entend rien du tout. Ah, mais oui, Ouais, il cette vient. musique de fou. C'est un D'ailleurs, gobelet magique. j'espère que cette musique est libre de droit. Je sais pas. Oh mon dieu, mais. Ah, mais c'est ça qui émet de la musique. Ok, bon, on va dire que tout va bien. Où est-ce qu'on peut se mettre? Bah un peu plus loin, s'il vous plaît. Ok. Attendez, je cours parce que cette musique m'agresse. Ah, ça a l'air mieux. Patronne, vous courez trop vite. On l'entend de loin. Ah ouais, on l'entend de loin. Je peux vous rappeler que j'ai 40 balais, j'ai du mal à suivre. Ah ouais. Bon. Alors, du coup. Putain, j'espère que je vais pas me faire strike, les gars. Du coup, ouais, c'était pour le salaire, si. Mais vous avez pas peur d'ailleurs de vous promener avec autant d'argent sur vous? Ah non, 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 mais c'est un pire tout ça. D'accord. Bon, écoutez, tant mieux, hein. C'est quoi? Pardon, patronne, je vous entends mal. Quatre Kwassiban. J'ai entendu Kwassiban, pour vous dire. Avec cette musique, c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment incroyable. Est-ce qu'on peut avoir du silence? Non, mais c'est dingue. Ah, mon IBAN. Ah, pardon. Alors. C'est le 52 aujourd'hui. Oui, parce que j'en change tous les jours. Ouais, je vois. C'est plus prudent pour éviter les piratages informatiques. Alors. Attendez, parce que si vous me faites un virement, je vais pas le voir. Ah si. Est-ce qu'on va... Ouais, on va dépasser les 20 000 normalement. Et je vous donne celui de cette semaine en même temps. Ah, merci bien.
Et si c'était vélo? Ah putain, c'est ça deux va roues. Mieux. Oh, c'est une voie deux roues, mais si je mets que deux roues sur chaque côté de la c'est route, pas grave, c'est bon, pas grave. C'est légal. Oui, et puis on saura l'expliquer aux policiers. Excuse-moi, hein, mais tu sais que je fais toujours mes petites vidéos de famille, là, les petits tournages ouais, GoPro. Ouais, ouais, ouais. Et ça devait pas être facile, ça. Et ouais, non, et après je poste ça sur YouTube. Mais le problème, c'est que sur YouTube, tu peux pas avoir ce genre de musique. Ah bah là, sur YouTube, ouais, ça va vite. Ça va vite se faire enlever. T'as tout compris. Ah, pétard, quelle soirée. Alors, attends, tiens, je te donne ça. Non, mais je te devais quelque... enfin, tu me devais quelque chose. Non, attends, si c'est pour l'argent, je plaisantais, hein, Léo. Non, c'est la bière spéciale. Ah. J'en ai profité. Ok. Mais c'est quoi, c'est la bière de la soirée? Ouais, c'est une petite IPA, ouais. C'est pas la bière de la soirée, puisque c'était les deux dernières, apparemment. Donc, c'est nos bières, quoi, plutôt. Câble. Bah écoute, bah nickel. On se la boit où? Eh ben, où tu veux. Bah, déjà, j'aimerais bien aller me changer, parce que, bon, j'aime bien mon travail, mais faut pas déconner, quoi. Ah oui, et on peut... Mais on va passer à l'appart, là, pour remplir le coffre de la voiture, si jamais ah, ça oui, te oui, dérange oui. pas. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, je me change à ton appart, c'est possible, non? Je croyais pas avoir donné mon nom, mais j'ai quand même payé mon loyer, là. Ah. C'est... Et bien, ah, mince, alors. Ah, tu... Et tu... bien, oui, mais je pense que c'est possible, par contre, de se changer à l'appart. Bon, on va faire le test. Mais oui, on vide ton appart, il faut que tu le rendes au plus vite, c'est un gouffre financier. Ouais, c'est une horreur. Mmh. D'ailleurs, j'étais ces derniers jours là, sur le continent, comme je t'ai dit, mais du coup, je me souviens pas... Peut-être un peu par là, en fait. Quand est-ce qu'on doit payer le loyer du nouvel appart? Oh, c'est une bonne question, ça. Bah ouais, vous avez pas que... dit le 19? Ah, ça va, on est le 21. Impeccable. Ouais, mais c'est nickel, on a deux jours d'avance. Non, bah on a presque un mois d'avance. C'est impeccable. Magnifique. Ouf, bah c'est un souci de moins, tu vois. Mais quoi, un mois d'avance? Mais de quoi tu me parles? Bah le 19, sinon on n'a pas été prélevé, c'est que c'est pour le 19 juillet, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est vrai. Et ma logique se tient, hein. Ouais, il faudra leur demander quand même, passer voir avant ouais. qu'ils nous le retirent. Non, mais évidemment, je pense qu'on est un petit peu en retard. Alors, par contre, je t'avoue que je conduis complètement au pif. Hein, là, ouais. Ah bah tiens, je reçois des messages de Madame Moon. Vous allez faire quoi ce soir? Je vais lui répondre. Ouah, sûrement se faire une banque. Si je dis ça à ma patronne, c'est cuit. Non, oui, mieux vaut pas. Non, je vais lui dire... On va pêcher. Ah, fuck, attends. Bah, bientôt, elle va te faire pêcher tous les sushis. Si je pense, hein. Qu'on va pêcher. Je vais lui mettre tout sauf écouter de la musique non libre de droit. Attends, je reprends mes deux mains parce que quand je te parle en même temps, ça va pas. De la musique non libre de droit. D'ailleurs, HRP, hein, j'en profite, mais c'est l'enfer, ça. C'est l'enfer sur les serveurs GTA où t'as de la musique qui est imposée comme ça. Crazy, je sais pas si t'es toujours là. J'ai vu que t'as dû partir en dev, mon grand, mais... Mais ça, c'est un truc, il faut un mode streamer, quoi, il faut pouvoir choisir. Parce que là, tout l'épisode, il y a des chances que ça se fasse strike, en fait, juste à cause de ce passage-là, c'est dommage. Sauf écouter de la musique non libre de droit. Et monte quand t'as fini. J'arrive, mon petit Léo, excuse-moi. Je demande quand même à la patronne ce qu'elle fait. Putain, je me tortille dans ta voiture, j'ai du mal à sortir. Ah, ouf, pa. Ah oui, je me souviens de ces vieux appartes. Oui, mais Voldemort est toujours là, hein. Si vraiment je l'inviterais... Ouais. Non, mais il est vraiment lugubre. Je monte et je t'ouvre. Ouais, je te remercie. D'ailleurs, le niveau de stress du personnage, il est assez ouf en vrai. Je suis presque à la moitié, je sais pas ce que ça implique. Ah, que de souvenirs cet appart, que de souvenirs. Et voici. Par contre, je sais pas, ah oui. Attends, il est toujours là, Voldemort. Ah, faut que tu quittes cet appart, Léo. On va retirer objet, on va prendre la clé de billard. C'est le lugubre. Prendre le couteau, c'est bon. La canne à pêche.
C'est bon. Tu Attends, mais me dis. tout à l'heure, j'arrivais rien à porter et là, ça y est. Je sais pas, attends. On C'est va voir, hein. parce que je suis à côté de toi, je te donne du courage. Ah, c'est ça. Tu me transmets ta force. Exactement. Madame Moon. Ah, ça y est, j'ai plus de place. Ou alors, attends, non, peut-être pas, en fait. Merde. Ah. Et Putain, mais en alors, fait, j'ai tout pu prendre sauf. faire un tour pour chercher trois choses si possible. Pour rechercher deux, trois choses si possible. Car j'ai une adresse. Mais j'aimerais trouver une autre. Attends, attends, attends. Hey, J'ai. attends, Ouais. elle te lance une énigme. Ouais. Attends, c'est quoi là? Tu vas gagner une prime. Non, mais elle est vraiment bizarre, cette patronne. Mais je sais pas de quoi elle me parle. J'ai trouvé une adresse, mais j'ai besoin d'aller chercher deux, trois choses. Et il faudrait que je trouve une autre. Mais. Qu'est-ce qu'on Ouais, mais fait? Parce dis-lui que. d'envoyer l'adresse si jamais, on sait Ouais, jamais, ça peut être mais. intéressant, hein. Parce que tu sais que je l'ai On peut toujours l'accompagner. suspectée. Je crois qu'elle est pas dupe, hein, pour le coup de la pêche. La patronne, elle rigole comme ça, mais je crois qu'elle est vraiment pas bête. Je sais pas si elle nous propose des activités illégales ou si elle parle de sushi, mais j'ai peur de me trouver comme un con. Ah, honnêtement, je Qu'est-ce qu'on sais fait? pas. On tâte le terrain ou on Et essaie de ouais, brouiller les pistes? on peut essayer de voir, hein. Je Non, on vais. sait jamais, hein, demande de lui, si jamais on Ouais, est le ouais. bienvenu à l'adresse en question. Je sais pas de quoi elle parle, hein. Ah ouais, Ça se ça c'est trouve, une elle bonne va nous amener formulation. pêcher. Nous Attends, pêcher. je vais lui écrire, je vais lui écrire. Deux Oh putain, la clope, c'est pas bon. ou trois sushis. Je la jette par terre, c'est plus mon appart. Ou autre. Non. Sommes-nous bienvenus à cette adresse? Écoute, je crois que j'ai fait le plus vague des SMS de toute ma vie, mais au moins elle précisera peut-être un petit peu. Ah ben oui, de toute façon c'est un peu louche et c'est pas très précis, Bah, donc c'est autant louche. faire à tâtons. Ouais. Quand elle me parlait qu'elle allait chercher du saumon ou du riz ou machin, elle était plus directe que ça, là. J'ai l'impression qu'elle me propose quelque chose. Eh ben allons voir. En attendant, je me mets un peu de bière dans l'œil. Ah, t'as attaqué la bière? Bah attends, putain, fallait le dire. Alors, par contre, ce sera la seule, hein. Je supporte de moins en moins. Ouf. Ah Ah. oui. Bon, ok, ça m'avait un petit peu manqué quand même. Ah, Waouh. voilà, que de couleurs, Wow, ce monde est papa. beau. Et je peux t'aider au fait? Tu veux que je prenne quoi Ouais, là-dedans? prends les 10 cigarettes, j'ai plus de place dans mes poches. Attends, déjà on va faire les choses bien. Ah, voilà, ça Je va sais mieux. que c'est le seul truc que je peux pas prendre. Sérieux? Ouais, mais j'ai mis 30 bouteilles de vin dans la poche arrière, mais ça, Ah par contre, ça passe pas, hein. bah attends, c'est une blague. Moi, je peux même pas les prendre. 10 cigarettes, c'est trop lourd pour moi. Ouais, si vraiment on les passe, enfin on s'en fout, hein, on rend Ah l'appart avec les clopes. putain, ah oui, d'accord. Non, c'est parce que j'ai l'impression que. Tu vois, j'ai un emplacement en fait dans ma poche. Mais Ah, et j'ai. tu en as déjà? Et en fait, ouais, c'est ça. J'ai que 5 places pour mes cigarettes. Ah, c'est ça. Attends, mais moi je viens d'en fumer une, j'en reprends une. Attends, peut-être que je peux en sortir une. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, ils ont verrouillé, Et voilà, bon ils bah ont verrouillé on ma rend porte. l'appart et on va voir, on va se promener. Voilà, et puis les clubs, c'est cadeau. Mais allez, vas-y. Je lâche la bière par terre aussi et on est parti. Bon, par Ouf. contre la bière est meilleure que d'habitude. Bah, j'ai l'impression, ouais, Ou c'est normalement. la spéciale ou... Oh. Putain, c'est la première fois qu'à ma première bière, j'ai déjà des effets un peu bizarres. Hein. Ah oui, non mais là c'est Ouf. costaud comme bière. C'est pas Alors la une bière ça. ceinture. Ouais, non, Ouais, elle bien tabasse, vu. c'est pas possible. Non, ça Bon. me fait mal aux yeux. Qu'est-ce qu'elle dit, la patronne? Pour le moment, elle répond pas. Hein. J'aurais peut-être pas dû être aussi vague. Je me demande si elle me tend pas la perche. Oh, d'ailleurs, je me demandais. Comment je peux te demander ça? Ah oui, tu as le matos. Attends, attends, attends. C'est une bonne question, ça, Léo. Non, non, non. Je crois qu'il faudrait que je passe à la maths mobile un petit peu.
Ah, j'ai... mais vas-y, ouais, je ouais. t'amène au parking alors. Ouais, c'est une très bonne idée, ouais, on va faire ça. Putain, ça me fait chier, j'aurais dû être plus directif avec la patronne, là. Enfin, plus direct. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Son club de moto, là, c'est pas une couverture à la con, un peu? Ah, c'est possible, là. J'en sais rien, en vrai. Franchement, ils m'ont l'air un peu louche, quand même, là, à danser bah, sur des camions à cette heure-ci. Et... Bon, ça, à la limite, ouais, bon, admettons, mais là, l'autre fois, là, son petit gang de moto, j'ai du mal à croire que c'est un petit club associatif, quoi, tu vois. En vrai, je suis ouais, sûr faut, que ça... faut voir. Je suis sûr possible que ça cache qu'il un truc. Un peu dans quelques magouilles, quand même. Écoute, on essaiera de tâter le terrain. Ouh, putain, elle est belle, celle-là. Ouais, je l'ai vue tout à l'heure, je te l'ai pas dit. Merde. Ouais, non. Une belle voiture orange. Waouh, j'adore la couleur, effectivement, ouais. Ouais. Oh, attends. Pardon. Oh, mince. Ah bah ouais, oh. Nice. Le voiturier est hyper prévu. Efficace. D'ailleurs, reste pas là, parce que je crois que la mienne est égarée là. Elle est sur la combien? Sur la 16? Sur la 16, ouais. Ouais. Je ah. crois qu'elle est sur la 15. Tu veux... Ouf. Oh. Je sais pas toi, mais moi la bière m'est passée un petit peu là. Ouais, ça me donne envie de prendre un vin. Bon. Écoute, je suis un peu un idiot, mais ça c'est parce que j'ai dormi trop longtemps. Le voiturier me rappelle que je les ai pas ramenés, donc je pense que j'ai dû les laisser. Ah, ouais, t'es là. j'ai pas sorti la bonne. Hey, j'ai dû les laisser au Golden. Ça te dérange de faire un saut là-bas? La voiture, non, pas du tout. Ouais, ouais, j'ai tout laissé au garage. Du la Golden. Vie, oui, là. Et on est reparti. Allez, roule ma poule. Vraiment belle, cela dit, cette voiture. Hein. Celle-là, la petite. La orange, la titine, là. Ouais. Ouais, non, la tienne aussi est mignonne, mais. Ah, tu parlais de l'orange. Ouais, 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 la petite orange dans le parking, là, elle me fait de l'œil un petit peu. Hein. Ah, oui, ah bah, c'est pas la même gamme. Hein. Oh mon dieu, quand je repense à cette musique. Et pourquoi je passe devant les flics? Moi, je suis vraiment con. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais y'a même pas de vie. Ah, si. C'était marqué interdit de tourner à gauche. Non, j'en sais rien, mais c'était marqué interdit de tourner à gauche. Ah, pardon, tu veux peut-être que je mette le point sur le Golden? Bah, je vais le trouver. Hein. Tout à l'heure, j'ai pas mis le point, je suis tombé dessus. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bon, et du coup, on va. Je chuchote un petit peu, on sait jamais, vu que t'as les vitres ouvertes. T'as envie de faire un petit truc ce soir hein? Mais pourquoi pas, hein? Faut voir aussi ce que Milena nous dit, mais si jamais on doit aller à une localisation... Ouais. Mais moi j'ai bien voir, envie mais de... sinon pourquoi pas, ouais. J'ai bien envie, parce que franchement, bon alors le salaire est correct au Golden Coin, on va pas se mentir, mais... Enfin tu vois, juste de voir la petite bagnole là, qu'il y avait dans le parking, je me dis que je pourrais l'avoir au bout de 45 ans, quoi. Sauf qu'il me reste plus beaucoup à tirer, si tu vois ce que je veux dire. Oui. La petite voiture comme ça, là, j'aimerais bien pouvoir la conduire demain, après-demain, quoi. Eh oui, non, mais ah. C'est sûr. Tiens, en parlant de patronne, elle vient de me répondre. Ah. Alors, bah écoutez, c'est pour acheter des choses. J'aimerais faire un tour là-bas, voir. Et je pourrais vous parler d'autres choses aussi. Oh putain, Léo, je crois qu'elle me tend la perche. Ah ouais, bah oui, là, elle te tend la perche, hein, il faut aller voir. Ah putain, je pourrais vous parler d'autre chose. Elle est pas célibataire, Madame Moon? Ah, ça, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit ça. Je me mets où? Je vais lui répondre. Je me mets là en haut. Ouais, en haut, je suis garé là-bas, ouais. Vous commencez à me plaire, patronne. Et voici. Je suis pendu. À vos lèvres. J'espère moi, qu'elle après, trouvera. C'est une petite voiture comme ça, ça me va. Hein. Je suis pas oui. matérialiste. Non, mais bon, moi je me suis toujours refusé ça. Après, t'es jeune aussi, Léo, je comprends. Hein, mais moi j'ai trimé toute ma vie pour pouvoir me payer une bagnole comme ça. Et t'as vu avec quoi je me traîne? Non, c'est vrai, mais c'est joli. Une petite, Ouais, c'est joli, c'est joli. Jusqu'au moment où tu perds ton job, ta femme te prend la moitié de ce que t'avais économisé pendant 25 ans de travail. Enfin bon,
Excuse-moi, je suis un petit peu énervé, mais. Ah, mais bon, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, mon petit Léo. Je sens qu'on est sur la même longueur d'onde. Et affirmatif. Bon, à la patronne, je lui ai répondu vous commencez à me plaire, patronne, je suis pendu à vos lèvres. J'espère qu'elle verra pas le double sens. Ouais, c'est possible qu'elle le voit quand même un peu, mais. Merde, bon, alors attends. C'est pas très grave. Elle a répondu mort de rire, arrête avec patronne. Ah oui, à ce point. Merde, faut pas que je la perde là. Attends, en même temps, une perche, il faut la saisir. Qu'est-ce que je mets? Ouais, je sais pas. Je plaisantais. Juste boum ou quoi, ou un truc comme ça, tu vois, tu fais une onomatopée. Ah, t'es sûr qu'elle va comprendre? Non, ça c'était pour toi. Oh, une onomatopée. Oh, j'aime l'idée, mon petit Léo. Je me suis réveillé en forme, j'ai dormi longtemps. Ah, si t'en as d'autres, des petits jeux de mots avec Matt, moi je les adore. Hein. Tu sais, je les ai presque tous entendus au cours de ma vie, mais. Ah ouais, je pense pas. Ouais. Mais celui-là, j'avoue que je non. Je pense que je peux en trouver des pas mal. Normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Hakuna Matata. Dites-moi. Je sais plus quoi lui écrire. Oh là, je suis pas inspiré, moi, les SMS. Je vais lui dire. Ouais, mais dis-lui juste que t'arrives. Et demande-lui si je peux venir aussi, hein, parce qu'on sait jamais. Ouais, c'est pas faux, hein. Puis elle me connaît moins bien que toi, quand même. C'est pas faux. T'as vu les toilettes d'or, là, derrière? Les toilettes d'or? Ouais, c'est original ça comme pub. J'avais pas fait attention là, je vois dans les rétros. Dans le rétro. Ah ouais, bah tu vois, ça, je suis pas prêt de me les payer par exemple. Ouais, mais j'en ai pas besoin quoi. Non, là, alors autant sur la voiture j'étais intransigeant, mais autant sur ça on est d'accord. Hop. Ah, non, titine. Ouais, les toilettes ça me dérange pas quoi. Impeccable. Un petit céramique classique. Exactement. Alors attends. Je crois que j'avais rangé ça quelque part. Moi, les toilettes, ça ne m'atteint pas. Celui-là est pas mal, mon petit Léo. Ça c'est ne m'atteint pas. Ça, c'est un jeu de mots. Quand on le fait, il est obligé de marcher. Oh, j'adore. Je vais m'y mettre. On, hein. on va bien s'entendre. Je crois. Alors attends, je crois que j'avais planqué ça dans la boîte à gants. Ah. Tu veux bien ce que je pense, hein? Ouais, le matos. Ouais. Impeccable. Je te le refile ou pas? Ouais, comme tu veux. En vrai, pour l'instant, on est dans la voiture. C'est toi qui vois, quoi. Ouais. Mais si tu préfères que je l'aie, donne-le-moi. Hein. Non, tiens, ça va. Écoute, tiens, ouais, vas-y, sors. Sûr, attends, sors, vas-y, sors, j'arrive sors. À côté, ouais. Je préfère... Mais il m'en faudra un. Tant qu'à faire, tu as pas de problème après. Il m'en faudra un. Ouais, c'est sûr, hein, mais c'est pas donné. Hein. Tiens, mon petit Léo, merci hein, d'ailleurs. Attends, il me manque une balle, hein, ça c'est 2000. Ah. Bon, bah, on est quitte alors. Hein. On est quitte, ça y est. Ah, l'argent, ça vient, ça va, hein, tu sais. Les hauts, ouais, les bas. Ça va plus que ça vient, mais. Oh. Ouais, ça va plus que ça vient. Alors mais... attends, la patronne, qu'est-ce qu'elle. Enfin, faut que j'arrête de l'appeler patronne, du coup, c'est vrai qu'elle aime pas ça. Oui, avec plaisir, je vous expliquerai 2-3 trucs. Léo, je crois qu'on a ferré notre premier poisson. Hein. Ah, mais vas-y, on va là-bas. Alors, ça a pas l'air. Adresse. Et elle a pas l'air dispo. Je vais lui dire d'ailleurs, dites-moi quand vous êtes dispo. Et puis on ira voir. Hein. Je crois qu'elle a des choses à nous proposer. Il me semblait bien que c'était pas un club de moto traditionnel. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Comment on ouvre. Putain, il y a un bouton sur. C'est quoi ces caisses toutes électroniques là avec des boutons partout? La boîte à gants, ça s'ouvre comment? Tu cherches la boîte à gants? C'est le. Ouais. Regarde, t'as la loupiote. Là, tu sais, la loupiote, c'est avec L. Et la boîte à gants, c'est verrouillée avec G. Tu vois, c'est le petit bouton G. Ah. Juste à côté, normalement. T'aimes bien jouer, merci. Je t'en prie. Alors, dites-moi quand vous êtes dispo. Bisous. C'est un petit jeu que j'ai avec elle.
Ah non. Pas bisous. Hop. Ok, impeccable. Du coup, t'as envie de tenter un truc ou pas? Attends, je peux pas le mettre dans la boîte à gants, c'est quoi cette connerie? Si, si. Non, non, non. Bah, je l'avais dans la mienne. Vraiment? Ouais, bon, pas grave, je le garde sur moi. Alors, il faut pas... il faut pas que t'essaies de le donner à la boîte à gants, hein. Ouais, non, je me doute, je le pose dedans, hein. Tu le poses directement dedans, et ça marche pas. Ouais, ouais, non, mais ça marche pas. Merde, c'est bizarre, il y était pourtant. Ouais, attends. On prend les deux caisses, mon petit Léo, alors. Eh ben, c'est toi qui vois, ça dépend ce qu'on fait. Bah, t'as pas envie... Avec Stan, là, on t'avait raconté là l'histoire de la bijouterie. Ouais, là. Tu m'avais dit, ouais. Attends, si je chuchote, là, tu m'entends toujours à travers la vitre? Je t'entends. Ok. Ouais, du coup, on avait essayé de taper la bijouterie, là, mais c'était encore quand ils avaient des moyens et qu'ils avaient mis des vitres blindées. J'ai eu l'info qu'elles sont un petit peu plus fragiles aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire. Ah, vas-y, on peut réessayer ça. Hein. Ah ouais. T'as un truc pour briser les vitres? Je dois avoir une queue de billard dans le coffre. Ouais, j'ai la queue de billard dans le coffre. Bon, alors impeccable. Donc ça te dit, on prend... Peut-être on y va tranquille, on prend qu'une caisse et on essaie de se faire ce coup vite fait bien fait. Ouais, mais attends, on va pas prendre la caisse une caisse à nous. Non, mais il nous faudra un point de chute. La caisse qu'on prend là, ce sera un point de chute, tu vois. Ah, ça va. Mais attends, parce que si on n'a pas besoin d'armes, le mieux, attends, fais voir, essaye de la mettre dans ta boîte à gants pour voir. Ouais, attends, je vais essayer, je regarde juste. Mort de rire, pas de soucis. Par la fenêtre. Bon, Madame Moon, elle va nous recontacter. Hein. Ça, c'est bien. Pourquoi je suis en voir? Et voici. Alors, impeccable. Et du coup, est-ce qu'elle tient dans ma boîte à gants? C'est peut-être ta boîte à gants qui est trop petite. J'aime mieux, ouais, peut-être. Mais bon, l'arme est petite quand même. Ouais, mais tu vois, dans la mienne, elle tient impeccable. Hein. Ah. Ouais, c'est problématique ça. Je la laisse là pour l'instant, hein, si ça te dérange pas, parce que moi. Ou alors tu peux essayer de la mettre dans ma boîte à gants si tu préfères. Mais... Non, non, ça me dérange pas, mais tu veux pas. L'avoir sur toi, c'est vrai que c'est peut-être un peu risqué. Ben non, c'est un peu con. Autant se faire. Si on se fait choper, autant se faire choper qu'avec une queue de billard, quoi. Ouais, t'as raison. Du coup, on prend la mat mobile ou tu veux prendre ta titine? Et moi, si on prend la mat mobile, il faut que je repasse au garage pour la poser. Ou alors je la laisse là et on revient plus tard. Bah ouais, je pense qu'on peut la laisser là, c'est pas gênant. Ah, et bien je la garde juste. Garde-toi correctement et puis... On va voir ce que ça donne, les petits loups. Putain, j'espère que ça fonctionne. Juste ce plaisir de briser une vitre, de se servir illégalement... C'est con, hein, surtout quand on parle de GTA, quoi. C'est un peu la base. Mais de le faire en RP, ça va être la première fois, en fait, pour Matt. Si ça fonctionne, mais j'espère que ça fonctionne. Please. Je vous en prie. Allez, en route, mon petit Léo. On est parti. Bon, alors... Que je me souvienne. Est-ce qu'on sort les déguisements? Ah, bonne question. Oui. Déjà, faut qu'on se trouve une voiture. Ah, je pense que c'est plus prudent quand même. Sortir les déguisements, ouais, mais après avoir pris la voiture. Et la voiture Putain, je suis un putain de génie. Mais ça me rassure. Qu'est-ce que tu penses si on va tirer une voiture par là? Ah, moi ça me va, hein, où tu veux. Non, mais t'as compris. Imagine qu'il y a un système d'alarme sur la voiture. Qui donne la position du vol, admettons. Ouais. T'as vu qu'il y a dans le secteur une bande de loupards qui fait de la musique sur des trucs non libres de droit. Ah, c'est pas mal, oui. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. D'après toi, la police, elle va chercher de quel côté? Eh ouais. Et c'est vrai. Magnifique. Je pense que c'est peut-être une très bonne idée, ça.
Ouais, une idée de génie. Eh oui, échec et mat, comme on dit. Oui, enfin. Tu es pas un amateur. Non. Et là, il est pas mal celui-là, mon petit Léo. Oh, ça va qu'on a pris ta caisse, hein. Putain, tu peux pas regarder quand tu freines, bordel. Au milieu du passage piéton, en plus. Hein. Bah après, je l'ai fait renforcer le pare-choc avant, là. Ça devrait mieux aller. Là. Non, mais t'as... y a même pas une égratignure. Par contre, enculé monsieur... Ouais, c'est ça, c'est il ça. La ramène bourré, pas. Hein. Et en plus, il la ramène. Non, mais je rêve. Attends, c'est un scandale. Ah, je madame. Il est endormi, par contre. Il est encore sur le passage piéton derrière. Hein. Ouais, je crois qu'il s'est permis de mon doigt d'honneur, là. Oui, tu m'as dit, pardon, t'as ce qu'il faut pour les vitres. Hein. Et là, si la queue de billard se casse pas dans les mains, j'ai ce qu'il faut. Hein. Mmh. C'est peut-être un peu léger une queue de billard. Hein. Tu penses? Bah, ça reste du verre. Hein. C'est, bon, après, si tu tapes bien. Hein. Ouais, sinon, tu peux toujours m'acheter un autre truc. Hein. Ouais. Non, mais en vrai, oui. Hein. Attends. Ouais, non, tu sais quoi, ça va passer. C'est de l'autre côté de la ville. Ouais, ça va passer. Ça va passer. Je taperai fort. Hein. Faut qu'on arrête de trop préparer. J'ai l'impression que c'est ce qui nous fait défaut. C'est vrai. Des fois, l'instinct, il n'y a que ça de vrai. Hein. Surtout quand on part pêcher. Hein. C'est, non, mais moi, je te fais confiance, hein, de toute façon. Ouais, non, ça devrait aller. De toute façon, au pire, si toi t'y arrives pas, moi c'est sûr que j'y arriverai. Oui, si toi t'y arrives, moi je m'acclimate. Celle-là, elle est pas mal. Ah, ça fait plaisir. Elle est au moins meilleure que l'autre. Si tu vois ce que je veux dire. Et je vois. T'as le bon rôle, parce que moi je dois réagir à ton jeu de mots, tu vois. Parce qu'on est là, on cherche un jeu de mots, mais il est pas obligé de marcher. Hein. La preuve, comme celui-là, d'ailleurs. Ah oui, bah celui-là, oui, il était pas obligé. Ben, je m'en suis rendu compte qu'en le disant, tu vois. Bon, alors attends, les zigotos sont là-bas. T'as le mieux, par contre, c'est de tirer une voiture où on peut se barrer un peu vite, tu sais, dans un autre sens. Et de poser celle-là quelque part. Et quelque part un peu éloigné, ouais. Ouais, de préférence. Genre, tu la gares quelque part, on marche un peu. Genre, attends, on va traîner du côté de quartier de la plage. Ça a l'air un peu... Un peu fou. Tu la gares derrière, là. Attends, là, il y avait une entrée à gauche. Ça avait l'air pas mal pour la garer. Ah ouais ? Retourne en arrière, fais demi-tour. Attends, je fais marche arrière. Ah, ouais, ici. Là, à gauche. Oh, putain. Ou peut-être l'autre plus haut, là. Je sais pas, en vrai. Attends, mais c'est des marches, ça. Mais... Attends. Eh ouais, non, pas là. Non, la titine, elle est costaud. L'autre à côté, là, le deuxième. Et bonsoir, Guadados. Bienvenue, camarade. Ça fait plaisir de t'avoir dans le chat. Salut à toi, moi. De quoi ? De ce côté-là, tu parles ? Non, mais c'est pas grave. Ah, bon, merde. On va trouver. On sait pas quoi. Ouais, t'inquiète. Ou ici. Attends, là, il y avait un petit... Tu l'as vu ? Parce que là, il y a des belles voitures. Ouais, il y a des belles caisses, mais il faut pas que je me gare à côté, par contre. Ah fuck, attends, je panique. Non, ne panique pas. Hein. Ouais, faut rester simple. Oui. Je vais tout faire en marche arrière, j'ai l'impression que je réfléchis mieux. Non, c'est vrai, puis ne panique pas, parce que si tu penses au mal, il se matérialise. Celle-ci était bonne. Je te réponds dès que j'ai retrouvé un peu de répartie. Hein. Ouais, y a pas de soucis. Bon. Peut-être me mettre en marche arrière. Voilà. Oui, parce que j'ai pas l'impression que tu es aussi doué en marche arrière qu'en marche avant. Ouais. Je suis peut-être un petit peu moins à l'aise. Attends, on va se mettre là. Hop là. Qu'est-ce que t'en penses ? À la vue de tous ? Oui, à la vue de tous. De toute façon, on n'a rien dans la voiture. Exact. Bah si, du coup. Ah, ouais, mais de toute façon, elle est fermée. Elle sera fermée, mais voilà, faut pas qu'on vienne la fouiller, quoi. Non, il devrait pas la fouiller. Hein. Tiens, d'ailleurs, attends. Attends. T'attends bien ? Ouais, j'attends. Bien, je sais pas, et j'attends.
Non, parce que j'avais fait faire un double des clés de la voiture, je me dis que peut-être ça pourrait... Ça pourrait t'aider. Eh ben tiens, je ferais la même chose, en vrai. Bah ouais, mais je me souviens plus comment on fait. Ah oui, c'est bon. Hop. Tiens, regarde. Ah, je l'ai. Impeccable. Comme ça, si t'es, si jamais on est dans la sauce ou autre, ou puis si t'as besoin de récupérer tu sais quoi... Ouais, voilà. mais ça, c'est pas mal. Eh oui. En plus, avec écrit Matmobile sur la petite clé. Hein. Sur la clé, t'as vu, je les ai fait personnaliser. C'est sympa. Hein. Ouais, non, c'est nickel. Alors, bon, il faudrait qu'on marche un petit peu. Ouais, on va se promener. Ouais, voilà. Bonsoir, messieurs. Oh, celle-là, j'aime beaucoup. Bonsoir, monsieur. Je serais plus d'avis. Ouais, mais attends, par contre, après, c'est mieux si elle est fermée. Oui. Mais, après, comment ça s'appelle? C'est le quartier de luxe, ici. Ils ont tous des caisses de rêve. Ouais, mais je sais pas si on va aller taper... Si on va les taper là. Attends, c'est où la soirée? C'est par là. Hein. Je sais pas, je te suis moi. Attends, je traverse vite, je vais pas me faire écraser. D'après toi, attends, faut vraiment que j'apprenne à chuchoter, ouais. On la prend ouverte, avec le risque de devoir évacuer un chauffeur à bord, ou tu veux qu'on en prenne une qui est garée comme ça? Ah, mais bonne question, je sais pas si garé comme ça on peut. Enfin, on arrivera à la démarrer. Ah, c'est une bonne question ça. Moi je sais qu'avec les chauffeurs en général ils nous la prêtent facilement. Ouais, parce que ce qui m'embête c'est que. Si on va voir par exemple ce charmant monsieur, faudrait pas qu'il puisse décrire nos visages, tu vois. Bonjour madame. Non, il se rappellera plus. Oui. Pas sûr. Hein. Ah, pourquoi tu veux mettre les costumes déjà? C'est à nous de traverser. Non, ou alors justement. Oh! Tu es malade. Ça va, ouais. Come on, move it. Ah, laisse tomber. On va pas se faire remarquer. Celle-là, là-bas, je crois que t'as pensé à la même chose que moi. Bon, et du coup... Attends. Celle-là, en plus, personne pourra nous signaler. Hein. Ouais, grave. Putain, elle est belle en noir, en plus. Ok, concrètement. Mon petit Léo. Ouais, dis-moi. Est-ce qu'après, est-ce qu'on va chercher les tenues de pêche, si tu vois ce que je veux dire? Mais quand on... Là, on prend la brouette. Ouais. Ensuite, on va mettre la tenue de chantier, la tenue de travail, de fermier. Et ensuite, on va... Mais d'abord, on prend la brouette et on la déplace un peu pour pas qu'il retrouve la brouette tout de suite. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que on va pas prendre justement la première zone de pêche... Juste à côté de la brouette. On va aller chercher la deuxième. Oui, c'est exactement ça. Voilà, comme ça, c'est exactement ça. Je prépare déjà sur le GPS. Et au moins, on va se changer là-bas. C'est bon? Voilà, et ça me va. Okay. Mais mets-le un peu loin, hein, la zone oui. Là où on se change. Ouais. Bah, je te fais confiance. Ça devrait suffire. Maintenant, deuxième question. Qui drive? Eh bien, comme tu veux, hein. Moi je peux conduire si tu veux. Allez, moi ça me va. Comme ça, j'avais pas les pieds en forme là avec ma voiture, mais ça devrait le faire quand même. Oui, non, mais c'est que t'étais pas dans le feu de l'action. Ouais, allez, bon bah je la prends alors. Ouais. Tu veux driver pour aller là-bas ou non? Non. T'auras le point sur le GPS et let's go quoi. Y'a personne. Non, j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais. Ok, go. Allez, fonce, mon petit Léo.
Ok, ça commence bien. Je l'avais pas vu. C'est pas grave. Essaie de t'en tenir au GPS, t'as le point ou pas? Ouais, j'ai le point, mais je vais faire un petit détour. C'est pas idiot. Ils peuvent pas... Voilà, par là, normalement, ils peuvent pas trop nous voir. Bien. Par contre, cette radio, là... Ah, et voilà, je l'ai dégagé. Attends, puisque là, faut essayer de passer vite à cet endroit, juste. Putain, c'est parti. Tu te rends compte, on a enfin réussi à piquer une caisse. Oh, mais elle est belle, en plus. Et en plus, on n'a pas pris la pierre. Hein. Non, mais t'as vu tous les compteurs à l'intérieur? Ouais, je vois ça. C'est... Putain, c'est luxe. Hein. Putain, ouais, c'est une navette spatiale. Ouais, essaie de conduire prudemment, c'est vrai que c'est pas bête. Ok, on n'est pas loin. C'est à la prochaine à droite. Tu me dis hein, si tu vois les poulets quelque part. De toute façon, si on les voit, on s'arrête de parler. Je pense que c'est le mieux. Allez, go. On traîne pas. Ok. Impeccable. Allez, on est reparti. C'est parti, mon grand. On n'a jamais été aussi proche. Attends, mets-moi un point un peu éloigné, mais pas trop loin du truc. Là, je te l'ai mis dessus. Hein. Ah, dessus. Je pense pas qu'il faut qu'on s'éloigne de l'objectif. Ah ouais, direct. Ouais, autant aller droit au but. Hein. Et tu as raison. Par contre, j'y vais avec la conduite de la prudence un peu. T'as un truc pour transformer ta voix au cas où il y a des caméras de sécurité ou quoi? Non, mais j'arrive à faire une belle voix de petite fille. Ouais, c'est bon. Dès qu'on approche... Je fais comme ça. Ouais, voilà, le tout c'est qu'on puisse pas te reconnaître. Hein. Voilà, magnifique. Impeccable. Bon, tu avances toi par contre. Ouais, j'ai acheté ça chez Bifi, j'espère que ça va fonctionner. Hein. Ah, mais tu me montreras et on verra. Hein. Bah, je te l'active. De toute façon, je préfère que le casque fonctionne plutôt que ta voix. Hein. Ouais, non, mais moi je pense à l'après quoi. L'enquête, tout ça quoi. Bon, par contre, là, ils doivent être en recherche de notre voiture. Hein. Normalement, oui. Hein. Oui. Parce qu'avec l'alarme et tout, les gens, c'est ils pour vont ça, venir quand même. Ta conduite, elle est bien parce qu'on n'attire pas l'attention. Je vais activer le transformateur. Il est fou, comme ça. Putain, j'aime mieux celle devant, par contre. 1-2-1-2. Attends, je crois que j'ai pas appuyé sur les piles. Non, mais mets les piles d'abord. Ok, c'est comme ça que ça marche, c'est bon. Oh, c'est pas mal. Ah, impeccable. Là, au moins, on reconnaîtra pas ma voix. Ah non, même moi, je te reconnais pas. Et qui êtes-vous? Sortez de ma voiture. T'inquiète pas, c'est toujours moi, mon petit Léo. Ah, ça va. Non, mais il est malade, lui aussi, derrière. L'autre derrière, je crois qu'il est pressé, là. Bon, je pense qu'il faut y aller, la camarade. Et on est parti, hein. Fais un tour du bâtiment, au pire. Ouais, ça, c'est pas bête. Vas-y, je vais faire un petit tour, parce que je sais pas exactement où c'est, moi, j'y suis jamais allé, hein. Je vais faire un tour par là. C'est dans l'allée, là, dans l'angle. Tu vois ou pas? Ouais, j'avais cru comprendre, mais ouais, ouais voilà, vas-y, mais je vais quand même faire un petit tour. Ouais, on est jamais trop sûr.
Tu me dis, hein, guette un peu autour aussi à quelqu'un. J'ai les deux yeux grands ouverts. Magnifique. Putain, ça a l'air trop beau pour être vrai. Ouais, on va presque s'enrichir au lieu de perdre notre temps. Si c'est possible, ça serait pas mal. Ouais, grave, hein. Oui, il m'énerve lui par contre. Et je vois personne. Hein. Je vois personne, c'est parti mon petit Léo là. Allez, on y est. Je sens que je sens les bijoux qui nous appellent. Ouais, comment ça se passe? Il y a des vitrines, on en casse plusieurs, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, c'est un cul-de-sac, prépare-toi à faire demi-tour. Oh putain, ça c'est beau ça. Bon, beau, je sais pas, mais. Écoute, on y est. Allez, on perd pas de temps. Ici. Vas-y, vas-y. Attends, ouais. J'arrive, mais juste j'aimerais mieux me garer. Vas-y, vas-y. Oh merde, c'est pas là. Putain, c'est notre veine, en plus y'a personne. Allez, merde, Léo traîne pas. Allez, c'est parti. Putain, mais tu es où? Deux, trois vitrines chacun, c'est parti, mon. Attends, je prends mon arme. C'est parti, bordel. Allez, c'est par ici, la monnaie. Allez. Moi, je me fais les quatre premières. Ouais, t'inquiète, je prends. Traîne pas, mon grand, traîne pas. J'ai pas de sac, attends, j'ai pas de sac. Ah putain, c'est pas grave, j'ai pris pour toi. Retourne dans la voiture. Vas-y, casse tout. Je te préviens. Ok. Est-ce qu'il faut être plus gourmand? Je pense pas. Ah. Nice. Je l'avais pas vu celle-là. Allez. Trace. Je te mets un point. Après discret, on prend un peu de distance et après discret. Mets ta ceinture, mon petit Léo. Eh bien vu, j'étais un peu stressé. Putain, j'avais pas de sac, quel con. Ah, c'est pas grave. Ça y est, j'ai désactivé, hein, ça va mieux. Ouais, tu t'en es fait combien? 2 ou 3? Je crois que j'ai dû en faire 4-5, hein, j'ai pas compté, mais. Ah, ça fait plaisir en temps. Putain, tu vas pas me croire, j'ai 6 lingots d'or, 7 Rolex. Ah, mais voilà qui me fait plaisir. Eh oui, sans oublier 3 diamants. Mais là, jamais il nous rattrape. Hein. On est déjà sortis. Hein. Bah là. On pas vu. Hein. Là, je vois pas comment ils peuvent nous retrouver. En plus, on était complètement invisibles. Vas-y, on attend. Moi, je pense que le mieux, c'est d'attendre 30 minutes. Ils vont tourner 30 minutes et dans 30 minutes, ils devraient aller remplir les papiers au commissariat avec les autres et on se la refait. Hein. Cette idée me plaît bien, mon petit. Oh, ça, c'est Monsieur Miller. Oh merde. Oui, mais évite de prononcer son nom alors qu'on est incognito. Mais moi, je chuchote. Oui, moi aussi, de toute ça façon, va. J'ai fermé la vitre. J'ai fermé la vitre cassée. Oui, mais je te rappelle que j'ai plus de portière de mon côté. C'est vrai, par contre on s'éloigne beaucoup. Hein. Moi j'ai même. Enfin, honnêtement, je pense pas qu'ils puissent nous rattraper ici. Hein. Non, on je aurait pense... dû aller chercher la mat mobile plutôt, non? Tu crois? Eh ouais. Bah, écoute, maintenant qu'on est bon, on est bon. Hein. On prend le prochain raccourci à gauche. Alors je parlais pas de celui-là. Oh putain. Eh ouais, mais faut me dire. Ouais, non, le prochain. Ah, vas-y. Celui-là? Ouais, je pense que ça va nous ramener. On va faire une petite boucle, histoire de. Et ensuite direction la mat mobile. Je sais plus où elle était. T'as vu Guada? Ouais, c'était aussi simple que ça. J'y crois pas. Bah après voilà, bien, bien confiné. Les passe. Lingots d'or, ça doit valoir cher. Hein. Bah alors, franchement, par contre, c'est ce que j'allais me dire. Faut qu'on retrouve un revendeur. Quoi. Ouais, mais ça, on va s'arranger après. Ouais. Est-ce qu'on change pas de voiture au cas où elle a été repérée?
Et maintenant, je pense pas, parce que vu qu'il la cherche là-bas, je pense que si on en nique une autre, ils vont plutôt s'amuser à chercher l'autre. Ouais, c'est pas faux. Même un concitoyen, il donnera l'alerte. Ou alors, il y a une bonne chose qu'on peut faire, c'est en niquer une et ne pas la prendre. Comme ça, peut-être que si quelqu'un passe, il prévient et au final, on la laisse au mec sur le bord de la route, non? C'est pas bête ça, tu veux dire déclencher une alarme et se barrer? Ouais, non, mais attends, là c'est pas la bonne route en vrai pour faire ça. Ouais, parce que celle-là c'est un peu à sens unique. Enfin, on est obligé de passer là. Là ça va pas le faire en plus, on est dans la mauvaise direction. Hein. Non, mais on est bien avec cette voiture en plus, je l'aime bien. Je vais la mettre au garage. Mais... Bon, moi c'est le côté sans porte qui me gêne un petit peu, mais. Ah, moi je pensais que je te l'ai enlevé, hein. Ah, par contre, oui, j'étais très content de pouvoir rentrer très vite, mais je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant de route derrière. Ah, tu as froid? Ouais, ça va. Oh, avec ça va. Tout le costume, là, tu dois transpirer un peu. Puis avec l'attirail, ça passe nickel. Putain, tu te rends compte, mon petit Léo, ce qu'on a, mais c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Voilà. Enfin, ça, quelque chose de réussi. Ça, c'est un salaire. Ouais, j'espère. Et dis-moi, ton mec là qui t'a vendu la pétoire, là, tu crois qu'il serait intéressé par ce genre de babiole? Enfin, babiole. Ah, bonne question. Parler. Sinon, on peut aller voir hein, si tu veux. Là. Comme tu veux. Peut-être pas comme ça, non. Faudrait vite. Se changer. Ouais. Mais ouais, là, les fringues en haut de la ville, là. Y a pas une boutique là, pas loin, je me rappelle. Vas-y, je vais aller là-bas, à cette boutique. Conduis prudemment. N'attirons pas l'attention. Ouf. Attends, je vais ranger ça. Ah, l'enfer. Ah, les menus de GTA, j'aurais... Ah. Impeccable. Et nous voilà tout beau. Allez, vite. Normalement, mais je me suis pas sur la caisse. Ouais, je crois que c'est là où je l'ai mis. Hein. Par contre, on a une porte en moins. Hein. Oui, vraiment. Ouais. C'est pas ouf, hein, niveau. C'est pour ça que je pensais à changer de voiture. Pense à mettre ta ceinture, mon petit Léon. Bah, je vais conduire le plus doucement possible et on va voir. Hein. Ouais, je crois qu'on était. On devait être par là. Ou là. Peut-être là. Quelqu'un se rappelle où on a laissé la caisse? Oh, les branquignoles. Après on est... Ouais. J'avais pas pensé à ça avant, mais merde. On aurait pu aller chercher l'allée au mobile. Hein. Et c'est vrai. Et oui. C'est trop tard hein, maintenant. Mais... Oui, là on est pas loin. Je suis persuadé que c'était là-bas. Cette tension, les gars, c'est excitant. Oui, ça s'est bien cassé, ça va. Ouais, impeccable. Mais par contre, j'ai été con, j'aurais dû te dire pour les. Ouais, putain, j'avais pas de sac, on aurait pu prendre le double, mais c'est pas grave. Putain, là, c'est complètement de ma faute. Mais écoute, déjà on a ça, c'est pas mal. Mais c'est déjà bien. Ouais, il nous reste plus qu'à retrouver petit vendeur. Alors. Je suis pas sûr que c'était par là, hein. C'était vraiment l'autre diagonale, hein. Enfin l'autre parallèle. Ah, je crois que ce qu'on est ah oui, déjà tu veux... à côté, non, je non, me mais, garer, non, ouais. Mais t'as raison, on abandonne la caisse en vrai. Et ouais, c'est pour ça, moi je... Ouf, t'as vu? Ouais, quel smooth ça, c'est magnifique. Attends, je donne tout. Oui, on est par là, hein. Ouais, je crois, hein. Oui, ça... oui parce que tout à l'heure, on discutait par là. Et c'est là qu'on cherchait, ouais, exact.
Et c'est là qu'on l'a récupéré, c'est là qu'on la repose. Hein. Il aura pu faire réparer la porte et ça va. Ouais. Et finalement, on est plutôt... On est plutôt courtois. Bon, maintenant, je pense qu'il faudrait... Parce que là, finalement, on est monsieur et monsieur tout le monde, si je puis dire. Ah bah là, oui. Il nous reste juste à changer de sujet et puis à trouver quelqu'un qui pourrait nous racheter nos asticots, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais peut-être que Madame Moon, là, tout à l'heure, tu as des nouvelles ou... Ouais, non, bah, pas de nouvelles, pas de messages. Par contre, elle a dit qu'elle me rappelait dès qu'elle allait à cette adresse, entre guillemets. Ah, voilà, mais parce que sinon, ce qu'on peut faire, c'est retourner à la soirée, voir s'il y a toujours de la musique de loin. Et si vraiment il y a de la musique, on fait autre chose. Mais s'il n'y a plus de musique, ouais, on ne sait jamais. Après, elle sait que, voilà, je pense qu'elle se doute de quelque chose... Tu vois, envoie-moi une petite Rolex, là, je la mets. Ah oui, Enfin, je vais pas la mettre. J'aime même pas les Rolex, en vrai. C'est vraiment pas mon style. Par contre, on peut pas partager comme ça, parce qu'il y a pas mal de choses... Oui, non, mais on s'en fout, c'est juste pour regarder la Rolex. Tu me la montres, et enfin, le partage, il se fait quand on a l'argent. Hein. Tiens, regarde, hop. Je fais confiance. Oh! Elles sont belles, hein. Alors, c'est bien sympa tout ça. Ouais, elles sont super mignonnes. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, c'est... Voilà. Enfin, quelque chose d'un peu près réussi. Ah, putain, si tu savais. Et tu vois, je pense que tous nos échecs, au moins, c'était l'apprentissage. Et c'est ça. Là, j'ai le sentiment... Écoute, ça nous aura fait les dents, quoi. Je vois la maths mobile. Exactement. Et ouais, et du coup, je disais, la patronne, elle se doute que derrière la pêche, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu penses si je lui envoie un SMS du genre « Bonjour patronne, savez-vous où je pourrais vendre mes golden poissons ?» Si vous voyez ce que je veux dire. Non, qu'est-ce que t'en penses? Mais le mieux, je pense, c'est d'aller la voir en privé, parce que sur le téléphone, ça me, j'ai pas trop confiance à ces conneries. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais après, bon, moi, je retourne pas près de cette musique de l'enfer, là. Oui, non, mais après, si on s'approche et qu'on voit qu'il y a de la musique, on s'en va directement. Et ouais, ouais. Ah, d'ailleurs, attends, moi j'avais un truc à faire ici. Guadados, ça fait plaisir. Enfin, une scène qui va jusqu'au bout. Ils ont bien amélioré l'illégal, c'est cool. Putain de oui. C'est hyper jouissif de pouvoir accomplir une scène, même si en plus elle s'est bien passée. Mais déjà, juste de pouvoir la mener au bout, comme tu dis, Guadados, c'est un plaisir. C'était juste ce que... Je crois que c'est ce qu'on attendait tous. Et ouais, ça fait plaisir. Je suis content que t'aies kiffé, Guada. Et Alex, Twitch, salut Matt, ravi de te revoir sur le serve. Merci beaucoup, camarade, c'est un plaisir. Et je suis d'accord pour la musique. Ah, c'était toi qui étais là-haut, alors. Écoute, ouais, ça fait plaisir de revenir. Ça fait plaisir de voir que les choses ont bougé. Enfin, des scènes RP qui peuvent aller jusqu'au bout sans être avortées par un truc un peu bébête, quoi. Et oui, pour la musique de tout à l'heure, my god, c'est dommage qu'on puisse pas filtrer ça quand on est en live pour pas avoir ce genre de problème, parce que là je suis sûr que la rediff va être strike. D'ailleurs, si vous regardez cette rediff sur YouTube et que vous n'avez pas entendu cette scène-là parce que j'ai dû meubler avec une musique dégueulasse, mais libre de droit, j'en suis désolé. J'en suis désolé, c'est pas de ma faute. Et me revoici. Ah, mais t'es parti pisser ou quoi? Ouais, non, je lui ai demandé 2-3 trucs au coiffeur, c'est un ami. Bon, fourre tout dans la boîte à gants, là, c'est pas un truc déguisé. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi j'ai mis la montre là. Et je pense qu'il vaut mieux avoir ça dans la boîte à gants. Hein. Ouais, c'est sûr. Et tu penses bien à chaque fois à fermer la voiture. Attends, oui, juste, oui. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre une bouteille. Elle s'est rouverte toute seule, je pensais l'avoir fermée. Ah voilà, ça est bien mérité. Impeccable. Elle est bien, cette boîte à gants. Ouais, non, elle est ouverte. Hein. Bah, il me semble, hein. Je pensais que c'était peut-être toi qui l'avais ouverte, mais en fait, non. Putain, mon petit Léo, est-ce que tu vois cette boîte à gants?
Oh putain, tu as même un diamant. Ça fait plaisir ou pas? Ouais, il y en a trois. Trois diamants. Oh magnifique. On est bien ou on n'est pas bien? Et oui. Non, franchement, on est pas mal. Impeccable. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ton mec chelou là, perdu dans la pampa, ou on appelle Madame Moon? Je pense que le mieux c'est d'appeler Madame Moon. Mais ouais, attends deux secondes, moi je vais. Ouais, passe un coup de fil, je regarde un peu mes messages et tout, je vais être un peu dans mes pensées, je suis à toi dans une minute. Ah bah tu sais, pour une fois que c'est toi qui me dis ça, ça me fait plaisir. Bah, j'en fais autant. Et il fait autant. Alex, on s'est croisé sur une réu illégale, je t'avoue, et très cool alors. Ah, c'est ça, il me semblait bien avoir vu quelqu'un qui réagissait à la musique non libre de droit sur la petite soirée là. La petite soirée illégale. Et c'est Brian Anderson. Ok, j'en tiens pas compte du coup, hein, vu qu'on s'est pas, présenté de façon RP, mais il me semblait bien que t'étais la petite soirée. Bienvenue sur le live en tout cas, camarade. Bon, et en attendant, moi je vais appeler la patronne pendant que Léo médite. On va lui demander si elle sait où vendre du golden poisson. C'est un peu cramé, comment on peut lui dire? Oui. Ah, Madame Moon, ça a l'air plus calme, vous êtes plus à la soirée. Si, mais il y a beaucoup moins de monde. Ah oui, mais c'est pour ça que j'entends plus la musique alors. Ah c'est le téléphone qui filtre la musique. Comment, pardon? J'ai dit de toute façon la musique. Oh mon dieu, ça coupe. À chaque fois, ça s'éloigne. Rapprochez le téléphone de votre bouche. Oui, je disais la musique va être arrêtée de toute façon. Ah oui, oui, bah oui, j'imagine. Mais c'était légal ce petit rassemblement là, dites-moi. Ah oui. Ah, d'accord. Oui, parce que continentalement, c'est la fête de la musique. Ah oui, c'était un rassemblement français, c'est ça? Yeah. D'accord, ah oui, mais il me semble bien que c'était la fête de la musique là-haut. Vous savez, moi j'ai tiré un trait sur la France là. Ouais, bah tu m'étonnes. Bon, patronne, faudrait qu'on se rencontre. Je crois que vous avez pas mal de petites choses à me raconter. Ouais, mais y a pas de soucis. Il n'y a pas de sushis, hein, c'est ça. faudra qu'on se voit. Mais où est-ce qu'on peut... Enfin, dites-moi quand vous êtes dispo et puis où est-ce qu'on peut se retrouver. C'est en fonction de vous. Bah, je sais pas. Vous serez accompagnée ou pas, Madame Moon? Non, je pense que je vais tout seul. Bon, bah ça c'est top. Bah écoutez, dites-moi. Là, je suis avec le camarade Léo. C'est un fier camarade de confiance. Oui, je valide. Et il vient de se réveiller, il piquait une petite sieste dans la voiture. Et ouais, il s'est endormi dans la Matmobile. Et bah, du coup, voilà, c'est quelqu'un de confiance, et puis on pourrait discuter tous les trois de pêche, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il me semblait bien qu'on s'était compris sur ce sujet. Bon bah écoutez, dites-moi, on va aller se promener avec le petit Léo là, on a des petites emplettes à faire et puis on attend juste votre feu vert. Ouais, y a pas de souci. Impeccable. Y a pas de souci. Allez, bah des bisous hein, patronne. Non merde, pardon. Ouais, Ah décidément, ça va me mettre un temps à me quitter, hein, désolé. Hein. Allez patronne. C'est pas grave. Pardon, Madame Moon, à bientôt. Oui, à bientôt. J'attends votre appel hein. Ouais, y a pas de souci. Allez, à bientôt. Vous voyez, j'ai pas dit bisous. Hein. Allez, bisous. Bisous. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai fini. Allez, sur ça un c'est bisou. Fait. Bon, plus que jamais, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec cette Madame Moon. Hein. Ah, ça me fait plaisir d'entendre. Ouais, ouais. J'avais cru comprendre un peu en me réveillant là. Donc. Oui, bah j'ai retenté. Écoute, le sujet. Ramène-moi à l'appart, je crois que j'ai pas signé les documents. Oh putain, tu peux me mettre le point GPS? Ouais, sinon tu le trouves, non? C'est dans le milieu de la ville. Attends, je le mets. Oui, non, sinon je trouve. Attends, c'est... C'est par là, là. C'est par fainéantise. Voilà. Voilà, oui. Je l'ai. Ok. Ah bah tiens, je vais peut-être passer à faire un tour à la pharmacie. Là. Ah, voilà. C'est jamais. Bon, je lui ai rien dit, hein, au oui. téléphone. Ouais, ça va, la route, elle est à toi, mon ami. Ou... ouais, grave, t'as vu comme il a coupé. Incroyable. Hop.
Ils ont du bol d'être en ville, hein, parce que ça, là, un peu dans la campagne, je lui crève un pneu avec le pétoir. C'est clair. Bon, moi, je sais pas toi, mais j'ai pas envie d'être agressif, là, tu vois. Non, mais pas là, maintenant, là, j'ai plutôt envie de me mettre une autre petite Ouais, bouteille. plutôt. Alors, autant tout à l'heure, je t'avouerais que j'avais un petit stress, hein, entre nous. Hein. Je sais pas toi, je sais pas comment t'as vécu ça, mais Non, en vrai, alors ça là. va, je l'ai bien vécu. C'est juste avec le manque de sac là, pour mettre les lingots, parce que Ouais, c'est vrai que c'est putain, lourd non, quand mais même. ça. J'aurais perdu le pantalon en le mettant dans les poches, et ça, c'est un peu C'est problématique. clair. On aurait pu faire un peu plus d'argent, mais c'est pas grave. Non, mais ça, je prends l'entière responsabilité de ça. Je le savais. On s'était fait avoir avec le petit Stan. Bon, le premier s'est plutôt bien passé, hein. Enfin, le premier, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout Ouais, cas, ouais, ouais. celui-là s'est plutôt bien passé, donc. Bah écoute, je sais pas toi, mais avoir l'adrénaline que ça me procure, Ah, j'ai. c'est sympa, hein. Putain, j'ai limite envie de dire que ça me manque déjà, quoi. Ah ouais, non, mais ça fait vivre, ça te fait sortir de la matrice. Attends, rien que de savoir que là. Oh, celui-là, il était beau, non? Oh putain, je l'avais pas, je l'avais Et pas oui. calculé. Non, mais il y en a Oh deux, trois merde. que tu vas pas calculer, mais je te laisse après, je te laisse. Sortir de la Si tu les matrice. calcules pas, ouais, tu les Non, calcules il est pas, pas c'est mal, pas il est pas grave. mal. Tu sais, c'est les calculs, c'est mathématique. Oh merde, décidément, mais t'as une liste ou quoi? Non, même pas. Mais là, je suis vraiment en forme. Ah mais je vois, t'arrêtes pas de les enchaîner là. C'est pas possible de me mater. Ouais, le problème c'est que tu vois, avec Léo, avec Léo, j'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour, tu vois. Ouais, c'est un paroléoduc, quoi. J'en vois pas beaucoup pour Ouais, mais l'instant. bon, à part dire Léo, les Et bas. après, il faut attendre le moment. Ouais, c'est De pas temps en temps, faux. ça vient en tête et il faut attendre le moment pour le sortir aussi. C'est ça le. Exactement. Je suis curieux de savoir à quel moment tu vas sortir Matador. Ah Et pour merde. l'instant, je l'ai pas. Je t'ai Mais peut-être moi, niqué à là. la fin de la soirée, je peux peut-être sortir un truc comme bon, j'y vais, Léopard. Tu vois, des trucs un peu dans le Oh. style, quoi. Mais tu viens de m'en retirer une là, du coup. Ouais, mais tu m'as Ah enlevé merde. Matador, non? Oui, ok, ça va, ok, un partout. C'est Voilà. bon, on est bon. On est bon. Allez, on est quitte. Allez. Ah, c'est gentil. Attends, je rends l'appart et je suis à toi. Ouais. Normalement, elle est obligée de marcher, Oh, et voilà. Non, mais en hein. plus, le tien, il est plus simple. Enfin, quoique. Ah, c'est pas À évident, vendre, voilà. Vous la gardez, votre propriété, parce que nous, on en a une autre. Et elle est mieux. c'est bon, c'est déjà signé? Ah ouais, je suis. Ah, mais moi, j'ai juste mis la clé sous le paillasson, hein. Oh bah ouais, t'as bien fait. C'est pas que je reste planté là, mais voilà, c'est que j'ai mis un petit temps à monter dans ma voiture. Non, mais je comprends. C'est l'air de l'extérieur, ça fait du bien. Ouais. Mais d'ailleurs, la nuit est pas tombée ultra vite. Il m'a semblé aussi. T'as semblé. C'est peut-être les nuages, je sais pas. Mais c'est vrai que. Attends, j'ai Ah, tu bien. vas à la pharmacie? Ouais, ça te dérange pas. Ouais, non, pas du tout. Oh, On d'ailleurs, sait. mange, hein. J'aimerais pas te voir faire Oui. comater. Ouh J'aimerais là pas là te là là voir là. comater. Putain, tu l'as préparé, mais en même temps, c'est facile avec mon hippo. Celle-là, c'est la seule qui était préparée. Attends. Je sors parce que je me dandine, je me vois me dandiner dans la caisse là. Alors attends, hop. Oh putain, ça fait du bien. Ah là là. J'ai adoré ton dernier jeu de mots. Ah, lequel, ouais, je sais Hein. plus lequel c'est du coup. Le dernier là, il est aux petits oignons. Magnifique. Allez hop, balle au centre. Ah oui, mais là. Bon, je vais prendre de quoi te soigner au cas où. Putain, j'avais oublié que ça coûtait aussi cher, mais. Yes. Et puis on va pas être radin là-dessus. Ça, c'est vraiment des trucs qui pourront. Ok, c'est bon. T'as acheté quoi? J'ai acheté une trousse de secours et un défibrillateur. On sera content de les avoir si un jour ça tourne mal. Oui, on sait jamais si on se fait des hématomes. Ouais. Putain de merde. Hop. Ah Je les entends, hein, mais je vais pas réagir à tous, hein.
Ouais, je me doute. Eh ouais. Alors, hop. Bon. Tu peux pas, j'en fais trop. Je mets tout dans la boîte à gants, hein. Oui, bah, tout ce qui est inutile. Et d'ailleurs, moi aussi, hein, je vais mettre 2-3 trucs. Putain, est-ce que tu te rends compte que le contenu de cette boîte à gants a plus de valeur que toute la bagnole qui l'entoure? Oui, c'est clair. Faudrait pas se la faire piquer. Hein. Je te mets un bidon d'essence. Dans la boîte à gants? Ouais. Ce serait peut-être mieux dans le coffre, non? Mais c'est un petit. Et dis-moi là, ton vendeur chelou là, il fait que du black? Ou il prend les virements? Alors là, j'en sais rien. Non, il fait que du black. Et ouais, il faut tout retirer. Hein. Si tu veux acheter, il faut tout retirer. Ouais, j'ai fait 2 allers-retours d'ailleurs. La première fois, ouais, j'avais pas tout. Il m'a dit non, allez, retire. Genre, je suis arrivé à la banque. J'ai tout mis sur mon compte. Putain, je suis bon, retourné. Ouais. Je suis retourné. Il m'a dit non, mais tu es con. Je t'ai dit retire. Ouais, t'as fait des allers-retours pour rien, quoi. Ouais, ça m'a fait 3 allers-retours, 6 allers. Mais dis-moi, de plein d'essence. tu peux me montrer sur le GPS où il se trouve là, le loulou? Oui, je te le mets. Oh, je sais plus en vrai. Il doit être par là. Oh, mais c'est à côté, d'accord. Tu veux la banque d'abord? Je te mets ouais, la banque. Ouais. Sur non, le non, GPS. C'est bon, je la vois, la banque, elle est à côté. Allez, et on est parti. Hein. On fait un saut vite fait et puis. Parce que franchement, ouais, il m'en faudrait une petite là. Attention, il y a du monde de là, il y a du monde. Dans la mat. Je chuchote. Je chuchote. Oui. Tu as bouge ta caisse. Oh putain, ça traîne du cul. Ah oui, ça y est, j'ai vu au dernier moment. C'était pas notre cher gouverneur? Si, il me semble. Ah ouais, il me semblait. C'est la voiture présidentielle, ça. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça et ici. Quoi que, je sais pas. Je sais pas qui c'était. Mais, il m'a semblé voir la voiture du Parlement. Là. Bon, tu te souviens, hein, dans cette boîte à gants, il y a de quoi me sauver la vie au cas où. Hein. Oui, bien sûr, pas de soucis. Putain, par contre, ça m'a un peu stressé là tout ça. Bon, on va aller chercher une petite arme pas piquée des hannetons. Parce que en vrai, je sens que ça nous servira là avec ces activités. Ça fait du mal de retirer cette somme. Je crois que c'était 13 000 qui vendaient le truc. Aïe. Ah. Ah. Jolie coupe. Ah bah d'accord, je vous fais un compliment et... Super. À moi? Non, cette femme avec... Ouais, mais elle est pas matinale. Bah ouais, non, pourtant j'aime bien cette coupe-là. Hop. Tu l'as pas eu ou tu l'as juste ignoré? De quoi? Matinale. Oh merde, non. Putain, j'avais... d'ailleurs, c'est vraiment la Matrix. Regarde, elle revient. De quoi? Et là, c'est la même. What the fuck, mais là, il y a un bug dans la matrice, ouais. C'est le chat noir. C'est incroyable. Ah non, attends, elle a pas le même haut, il me semble. Ça doit être. Ah, peut-être. Ça doit être elle sa sœur jumelle. Pardon. Oui, par contre, c'est les mêmes formes. Mais oui, mais attends, mais c'est la mairie ici, non? Oui, c'est le gouvernement. Ah, le gouvernement ou la mairie? Oui, le gouvernement. Putain, j'avais pas reconnu par rapport à la dernière fois, là. Ah, mais parce qu'on est passé de l'autre côté, je crois. Non, oui, la dernière fois, tu es, enfin, où je suis, où tu es passé de l'autre côté, et en vrai, c'est plus facile de ce côté, là. Il me semblait bien, il me semblait bien. Ta-da-da. Et je me roule une cigarette. Ouais, vas-y, mon petit loup, tranquille. Bon, par contre, ça m'a fait mal au cœur hein, de retirer cette somme. Putain. Ouais, fais dis-toi que moi, que j'ai plus que 1500. Hein.
Ah bon, bah je suis peut-être pas si mal alors. Et je sais pas combien il te reste derrière la somme, mais... Il me reste 10 000. Hein. Ah ouais, quand même, ça va, ouais. Tu es bien en vrai. Ouais, non, bah c'est... Bon après, c'est le golden. Hein. Ouais, après j'ai une belle moto aussi, je veux dire. C'est une belle entreprise, hein, le golden. Non, ouais, mais d'ailleurs, je vais demander à ta patronne. On en avait un peu parlé par email. Je vais peut-être venir bosser avec vous. Enfin, tout est possible. Alors, demande-lui vite, parce que dans un dernier mail où on échange un petit peu par mail de temps en temps, elle m'a dit qu'elle comptait se casser du golden. Ah, ouais, mais je vais peut-être. Ouais. Enfin, en vrai, je sais pas si je vais reprendre du boulot, parce que ça m'est un peu difficile de trouver de l'argent avec ça. Et je pense que je vais me mettre. Ça dépend combien ça paye, là, les petites Rolex, toutes ces conneries, mais je vais peut-être me mettre un peu plus à ce genre de pratique. Bah, franchement, il faut voir, mais si ça se passe aussi bien, d'ici quelques temps, on aura de quoi couler des jours paisibles. Hein. Ouais. Moi, tu sais, c'est l'objectif, ouais. Hein, c'est nous trouver une petite villa, se poser tranquillement et puis profiter de la vie, quoi. Ah, moi, je suis pas trop villa, mais j'aimerais bien un petit... Bah, moi, je suis pas difficile, hein, ouais. Juste dîner. Un petit bateau. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, toi, bon, bateau, ça me ferait plaisir aussi. Ah, ouais, je te vois bien sur un petit voilier, ouais, je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai, un voilier, ça me ferait vraiment plaisir. Mais ça serait pour couler mes jours tranquille et ne jamais revenir. C'est sympa, là, je voyagerai en fait. Avec un bateau, mais plutôt là, en attendant une petite maison, une cabane dans le nord. Eh, ce serait mignon comme tout. Là, tu vois, ici, là, d'ailleurs, à côté de chez le vendeur, là, André, Patrick, Marcel, je sais plus son nom, à côté de chez lui. Ouais. Comment dire, je trouve ça sympa là. De quoi j'avais emprunté le voilier là. Oui, ici là, il m'avait prêté le voilier. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça vraiment sympa. Tu vois le voilier là-bas, derrière? Ah putain, oui, mais attends, voilà, là, c'est quoi? Il m'avait prêté celui-là, là. J'avais fait un petit tour dans le lac. Ouais. C'est vrai que c'était vraiment sympa quand même. C'est un petit lac ça, ou c'est un barrage? Ouais, c'est un petit lac, c'est un petit lac. Descends hein, à la limite. Hein. Ouais, je pense. Hein. Tant qu'à faire. Wow, tu es malade. Hop là, ouais, j'avais pas vu la bosse. Ouais, c'est Fast and Furious là, ça y est. Et d'ailleurs, tu m'as dit que t'avais pris un bidon d'essence, je pense que j'en aurais besoin. Hein. Ah mais j'espère, oh putain, mais j'espère que, ouais, on peut s'arrêter par là, hein. On est con, c'est la maison jaune, là. Ouais, une fois ici, ça va, je me souviens, c'était le chemin pour venir là. Ouais, c'est sympa, en fait, ici, hein. Ouais, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien, tu vois, ce genre d'endroit, là, un peu tranquille, douillet. Bah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce mobilhome, il est complètement éventré, hein. Ouais, il y en a plusieurs qui sont pas en bon état. Mais les maisons sont sympas. Après, les mobilones, c'est vrai qu'il faudrait les cramer un peu. Ah ouais, non, ils sont pas bien. D'ailleurs, il y a une tempête de sable ici, t'as vu? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de niveau. Voilà. Putain, si je trouve le mec qui a installé cette table, je lui fous mon poing dans la gueule. Celle-là. Ouais. Ah, mais c'est une blague. Après, c'est un concept, hein. Tu manges en tailleur, quoi. C'est les chaises surtout qui sont. Ouais, oh putain. Ils les ont coupées. Et... T'y crois ce timing? Milena Moon. Oh, c'est vrai. Que fait vu? Non, mon dieu, tu crois que c'est une charade? Ah non, ça y est, j'ai la traduction. Que faites-vous? Ouais, c'est tout. Oh. Attends, je réponds à Madame Moon. Hein. Prix, je me suis pas fait niquer. Parce que tu sais, si tu changes les prix et que tu reviens, je reviens. Je vois que les prix sont changés, tu me redonnes la différence. Hein, je te retrouverai. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. C'est ça que tu voulais lui dire, non? Oui, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on répond à Madame Moon? Elle demande ce qu'on fait. Et pour l'instant, j'ai pris un bonbon, mais. Non, mais sérieusement. Bah je vais lui dire, on vous attend. Eh ben on vous rejoint. Oui, on vous attend. Voilà. On attend votre appel. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, on vous attend. Avec un petit smiley rigolo. Hop. Impec. Smiley, c'est bon. Quoi ça? Attends, putain, tu te rappelles de son prénom? Moi je l'appelle Joe, mais appelle-le Ange. Joe, ok.
Oh Joe. Vous vous rappelez de moi, c'est le petit Léo là qui nous a présenté au sujet de vos petites cannes à pêche. Alors, ouh, bah dis donc. Ah ouais, c'est le prix du marché varie pas chez vous, hein. Voilà, voilà. Pourquoi Hop là. Ça me fait bizarre. Merci mon petit Joe, à bientôt, hein. Au plaisir. Ouais, à plus. Oh putain, ça me fait bizarre, je me sens délesté là. Ah, l'eau est remontée. Ouais, attends, faut que je regarde mes poches. Ouais. Bon, ok, j'espère qu'on va se faire un paquet de blé. Oh putain, mais ouais, c'est marée haute. Tu commandes un hot dog? T'as vu ça? C'est marrant, ouais. Aussi. C'est une petite cabane pour les petits, là. À la, les petits de... T'as vu? Ben ouais, ils se prennent des chips, il y a bizarre. Des petits gobelets pour eux. Ça doit être pour ceux de... La, comment ça s'appelle? La... On dit... la maternelle. Bah, attends, ouais, ils ont voulu mettre un food truck, mais ils ont mis que Léo. C'est bizarre. T'as compris ou pas? Ouais, je l'ai. Ah, je l'ai. Bon, c'est bon. Ouais, ben là, ça y est, je me plie en deux sur le siège et... Et c'est alors, bon. Attends, je suis encore en train de monter de façon bizarre. Non. Putain, d'ailleurs, j'en ai plein des merdes dans ce coffre. J'ai de la brioche, si tu veux. Eh, pourquoi pas? Tu sais que moi, j'ai plus à manger, presque. Bah, tu sais que t'as non, les clés. Non, c'est surtout à boire. Tu as à boire. T'as les clés de la Matmobile, hein, tu te sers. Ouais, j'ai ouais, un peu mais au cas où, tout à l'heure, tu me ferais une petite bouteille d'eau, une connerie, un jus. Ah, voilà. Un jus de la pomme, là. Bah attends, tu sais quoi, regarde, je te mets deux bouteilles d'eau dans la boîte à gants. Ah, parfait. Et comme ça tu te sers. Hein. Bon, et celui-là, ah putain, attends, comment on va les reconnaître? J'avais pas vu que t'avais mis le tien, mais oui, c'est vrai que t'as mis ouais, le tien. Ouais, moi j'ai 194 de munitions, c'est bon, on est bon. Ok, bon, moi j'ai 200. Voilà. Impeccable. Et du nickel, coup... tu as 194. Ah, on pourra se les prêter au pire s'il y a besoin. Par contre, j'ai pas d'eau. Pas j'ai du soda si tu veux. Ouais, mais un soda, ça me va aussi. Hein. De toute façon, c'est pour pas mourir. Tiens, je te mets ça dans la boîte à gants. Hein. T'hésites pas à te servir. Ah, parfait, c'est gentil. Bon, par contre, Titine, elle broute un peu là. Oh, nous noie pas. Non, noyer ça va, mais j'espère juste que. Putain. Tu as vu? Ah non, mais attends, descends. Qu'est-ce attends. Qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça recule quand tu avances, non? Tu as plus d'essence. Bah, et ouais, je crois la merde. Bien, hein. Et prends le truc dans la boîte à gants et rempli. Hein. Oh, putain. Mais... Je te l'ai mis dans la boîte à gants. Merci, mon petit Léo. Non, pas de soucis, mais c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent. Donc, quand ça commence à reculer quand tu avances, c'est qu'il y a plus d'essence. Ouais, là, ça faisait bizarre, là. Alors, merde. Comment on fait le plein? Et si vraiment tu remontes dans la voiture avec le bidon, vas-y. Ouais. Voilà, tu ressors. Ouais. Et là, normalement, tu te colles et ça devrait le faire. Putain, non, j'ai jamais fait le plein, moi. J'ai toujours demandé au pompiste. Sinon, tu me passes le bidon et j'essaye. Hein. Bah ouais, je crois, hein. Attends. Vas-y, tiens, regarde, le bidon. Je mets ça dans le coffre. Oh putain, vas-y, parce que moi ça m'agace. Je suis vraiment putain, pas j'ai mécanique. J'ai pas accès au coffre, moi, par contre. Merde, t'as les clés normalement. Ouais, mais je sais pas comment les utiliser, mais ouais. Là, regarde, juste la poignée là. Poignée G. Non, ça ne marche pas. Oh, merde. Attends, je monte juste dans la voiture. Ouais, peut-être que c'est ça. Hein. Putain, oui, je suis pas propriétaire, merci, je sais. Qu'on non plus. Hein. Bon, d'ailleurs, Joe, il avait pas l'air de d'accepter d'autres marchandises, hein, je crois pas. Hein. C'est vrai qu'on a non, pas je... essayé. Bah, après, on n'a pas essayé. Ouais. Non, je peux pas le prendre. Donne-le-moi, tu arrives pas ouais, à me le sortir du coffre. Je vais te le donner, attends. Je avec, que ta... Ça... avec ta barre ouais. Ça va pas si je me promène avec ça. Euh...
Alors, hop. Et du coup, je te le donne. Ouais, file-le-moi, j'essaie. Hop. Pécale. Ouais, ben oui, le bidon de dessin s'est rempli, ça, je me doute. Hein. Ah, toi aussi. Oui, toi aussi, tu sens qu'il est rempli, mais ça fait rien d'autre. Ah, mais c'est la merde, du coup. Merde, putain. On va pas tomber en rade là, quand même, non? Putain, non, mais surtout que là, on peut pas la laisser là, hein, avec tout ah bah non, ce qu'il non, y a non, à l'intérieur. Non, ouais, là, avec ce qu'il y a dedans et tout, c'est hors de question. Et mais si vraiment, on voit la localisation à Milena, hein. Ah, putain. Tiens, je te le refile, le bidon. Parce que là, tu crois qu'on avancera plus du tout, là? Oh, là, on fait 150 mètres, 200 mètres. Par contre, pose ce couteau, hein, mon petit Léo, tu me fais peur. Ouais, c'est vrai, c'était pour ouvrir le bidon. Putain, comment on fait le plein sur cette bagnole? J'aurais dû demander quand je l'ai acheté, j'en étais sûr. Oh merde. Bon, écoute, on va essayer d'y aller comme ça, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, bah vas-y, hein. On essaye d'aller au plus loin avec ça. Hein, bah ouais, ouais, déjà qu'on s'éloigne d'ici, parce que... Attends, la station la plus proche. T'sais, ça roule plus. Non, 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 c'est bon, j'étais sur le GPS. Ah. Faut que on va aller vers le Golden. Comme ça, on revient à pied, après on rachète un bidon au cas où. Ah bah, tu sais quoi, le plus court, c'est vers la station d'essence, hein. On sera vite fixé. Hein. Ouais, voilà, magnifique. Ok, elle a l'air bien partie, là, je l'ai bien en main. Ouais, j'ai toujours pas réussi à rouler ma clope, hein, donc... Vas-y, c'est de ma faute, ça. Bah, c'est la faute à personne, hein, à part la clope, à la limite. Ouais, non, mais je sais ce que c'est, t'inquiète, moi, non. Ah, putain. Eh, c'est en descente, c'est bien pour nous, ça. Ah, mais c'est magnifique. Ça se trouve, on va jusqu'à l'essence. Hein. On va jusqu'à la station comme ça, tu vois. Ah, si on arrive à aller jusqu'à la pompe, c'est magnifique. Hein. Ah, franchement, là, ça me saurait un petit peu. Ok, on la pousse les derniers mètres. Hein. Tiens, d'ailleurs, attends, elle m'a répondu, Milena. Ah, ben réponds-lui, hein, j'ai le temps. Ouais, ouais. Oh, putain. Oh, la vache. Oh. Elle broute les dernières gouttes d'essence, là. Ouais, mais on n'est pas loin, hein. Ouais, non, on est regarde, pas la pompe est en bas, là, je vois. Tu vas voir qu'on va s'arrêter 10 mètres devant. Allez, ça va tout seul, là, ça descend. Oh, allez. Ouais, putain. N'aie pas peur, Jocelyne. Eh bah tu le crois, tu le crois pas, mais il y a ouais, plus d'essence. On aurait dû parier, tu aurais gagné. Ah ouais, bah voilà. Bon, c'est précis en plus. On est bon pour pousser, hein. Ouais, tu es bon pour pousser, hein. Mais franchement, il y a pire, hein. Comment je pousse? Tu n'y arrives pas? Non. Peut-être. Attends, mais je suis sûr qu'elle en a encore un peu dans le ventre. Attends, je te la pousse. Oh là 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 là, pardon, oh ouais. Ah, merde. Tu vois, je savais que ça servirait la trousse de soins, merde. Ouais, non, je suis désolé, va, mais... Ça va, je suis un peu tombé, ça va. J'ai appuyé sur l'accélérateur, mais attends, ça recule. C'est vrai que j'arrive plus à pousser. Hein. Ah non, putain, attends, ah bah, au pire, je rachète un bidon, hein. Je m'en remets là. Au pire, ça va être vite vu. Hein. Ouais, prends le bit. Et voilà. Ah, Titine va mieux là. Et ben voilà. Bah, ça se trouve, mon bidon il était vide en fait. Bah, tu sais quoi, c'est ce que je suis en train de me demander. Hein.
Allez, attends, je vais juste faire le complément. Ah, ça va mieux. Putain, il manquait pas grand chose quand même. Hein. Ouais, mais ça va, on est arrivé jusque là, on n'est pas resté bloqué là-bas, c'est déjà bien. On s'en sort bien. Ouais, c'est sûr. Bon, attends, j'ai pas regardé le message de Milena. Hein. Attends, je fais ça après, c'est pas prudent. Ok. Je vais voir pour aller voir à l'adresse. Ah bah... Donnez-nous l'adresse. Ah bah, elle a lu dans mes pensées. 8041. Allez, on est parti. Hein. Et bah, on arrive. Hein. Allez, petite sieste en attendant pour être en forme. Et... Exactement, garde tes forces au cas où. Ah, j'ai du mal à rentrer dans ma voiture ce soir. C'est quoi ces petits bugs là? C'est bizarre. Oh putain, ça fait du bien. Franchement, de RP un petit peu là. Et en plus, ça fonctionne. C'est un vrai bonheur. Alors. Par contre, pour l'adresse, ça va me faire la même merde que tout à l'heure là. Ah oui, ça me remet le truc. 80, c'est ça, je crois. Soyez discret. Ouais, j'ai pas voulu regarder, mais tu vas être là, le portable, j'ai tourné l'œil un peu. Soyez discret, ça veut dire quoi? Bah, justement, moi ça me confirme qu'on parle bien de la même chose. Hein. Ouais, mais donc, discret dans quel sens? Elle veut qu'on se cache derrière un muret ou qu'on arrive avec maturité? Oh mon dieu. Elle est obligée celle-là? Pardon. Ouais, j'aime ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais regarde-les là! Non, mais c'est le bordel, tu sais quoi? Vas-y, je m'achète ça. Ouais, non, déjà, moi, ça me rassure. Je sais qu'elle est pas en train de nous parler de sushi, tu vois. Sinon, elle nous dirait jamais ça. Mais, je pense que ça veut juste dire on n'arrive pas en fanfare avec les klaxons et tout le bordel, quoi. Oui, de toute façon, j'arrive rarement en fanfare. Ouais, il me semble. Hein. Sauf si vraiment on m'attend pas. Tu sais quoi? J'ai vu l'élan que t'as pris pour la sortir celle-là. Oui, c'est venu de plus profond de la gorge. Ah, c'est putain, la tête sur la cigarette là qui m'a. Je t'ai vu reculer, prendre de l'élan pour la sortir. Là. Exactement. Oh putain. Elle m'atteint même pas en tout cas. Ok, bon, tranquillou, mon petit lot. T'as fini de rouler ta clope, là? Ouais, c'est bon, je suis bon. Hein. J'ai tout, là. Je la fume. On est à l'adresse. Hein. Ouais, je crois. Eh ben, garde-toi tranquillement un peu derrière. Attends, c'est un truc à vélo, ça. Non, mais derrière. Cache-toi. Comment ça, derrière? Ah ouais, tu peux... Là-bas, là. Ouais. Oui, à ce point-là. Et comme ça, on les fait pas remarquer. Ouais, c'est peut-être pas con, ouais. Ah putain, dans quoi elle nous emmène, la patronne? Voilà, par là et on marche avant. Ah bah c'est parfait, il y a les sorties de l'autre côté, vas-y, bah, recule un peu. On reste là, ouais. Voilà, on est bon, parfait. Mm-hmm. Attends, en vrai, je prends une arme. Ah, toi aussi? Je me tâtais, ouais. Et voilà, c'est mieux. Ça me rassure plus. Je pense que c'est plus prudent, ouais. Ok. Alors, je vais l'appeler parce que je vois pas où aller. Hein. Ouais, on peut attendre un peu, hein, si vraiment...
Comme tu veux. Tu crois qu'elle nous a donné l'adresse avant d'y arriver? Eh, c'est possible. Attends, j'envoie juste un SMS, hein. Le loup... Ah ouais, vache. Putain, ce mage. Le loup est dans la bergerie. T'as vu? Bon, ça, ouais. Regarde. C'est une fosse à course d'escargots. What? Tu places tes escargots ici, là. Tu prends les paris. Et ils arrivent de l'autre côté, normalement, un jour. Il y en a qui remontent. N'importe quoi, c'est pas une fosse. C'est un garage, Léo. Oui, je me doute. Cela dit, j'aime l'idée. Hein. Bon, elle m'a demandé d'être discret. Organiser ça. Du coup, je lui ai dit, le loup est dans la bergerie. Ah, elle a... elle arrive. Oh là là, ça m'a l'air bizarre ici. Je serais toi, je resterais pas là. Hein. Ah oui. Bah t'as pas ça pris ton ticket de bus. Discret. Hein. Ouais, c'est mais vrai. Si les contrôleurs passent, t'es bon. Hein. Allez, je sors. Allez, alors. Viens. Putain, c'est quoi ces habitations là? Ça m'intrigue en vrai. Cette... J'avais oublié que la voix de Matt Morel, elle était aussi agressive. C'est vrai que c'est intriguant ici. Hein. Bah disons que ouais, on est à l'abri ici. Hein. C'est pas mon style d'endroit, mais pour le business, c'est pas mal. Ouais, on pourra peut-être mal, en fonction ouais. de. Mais je vais passer par là, hein, écoute. Attends, moi là. C'était peut-être pas la meilleure idée. Ah, bah si. Bon, et on est d'accord, hein, on sort les cannes à pêche que si ça craint pour nos poissons, quoi. Ouais, non, mais on sort pas les cannes à pêche, hein, normalement. Bon, non, mais voilà, c'est ça. Sauf si ça commence à défourailler de partout. Voilà, seulement dans ce cas-là. Ouais, bien sûr. Hein. Moi, je suis pas, je suis contre la violence. Hein. Mais sauf c'est si elle est méritée. Mais... On n'a pas parlé de ça, mais si Madame Moon a des choses à nous proposer, on voit avec elle. Par contre, nos identités secrètes restent secrètes. Hein. Eh bien sûr. Bien sûr. Sauf cas où les choses se passeraient bien et où on voit qu'on pourra lui faire confiance potentiellement. Oui, mais bien sûr. Hein. Ça ne sera pas ce soir. On est d'accord. Enfin, j'ose espérer, quoi. Voilà, donc du Sinon, coup... il faudra tout changer et encore. Ouais, ça m'emmerderait un peu. On est d'accord. Donc, Matt et Léo ne sont pas des personnes armées, quoi. Ça doit rester exceptionnel. Hein. Non, bien sûr. Mm-mm. Bien sûr, vieux bandit. C'est quoi, toi, ces vieilles canailles? Et moi, c'est vieux chameau. Ah, vieux chameau. Vieille canaille, c'est la Mistan. Ah, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas essayé de l'appeler, la Mistan, ce soir. C'est vrai. Rien du tout. Aucune nouvelle. Tiens, peut-être nettoyer cette barrière, parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Oui, en plus, c'est très discret. Ah. Excuse-moi, j'ai mon ami, ouais. C'est Gogol ouais, qui s'est activé. Oui, il a rien compris. Ça doit ouais. être un vrai Gogol. Je sais pas ce qui a pu l'activer, mais c'est plutôt drôle. Ah oui, franchement, je m'attendais pas à ça. Moi non plus, c'est assez flippant, je dois te dire. Oui, mais ça m'a fait sursauter. Je me suis dit, c'est quoi, c'est la barrière. Et encore, toi, t'avais pas la petite voix qui venait de derrière toi. Je peux te dire que ça fait bizarre. J'avais plus de frayeur que quand on a été pêché tout à l'heure. Oui, tu m'étonnes. Oh putain. Bon, et elle vient ou... Ah ouais, c'est ce que je me demandais, elle traîne du cul la patronne, merde. Attends, je m'en grille une. Elle est faite. Hein. Oh putain, ça faisait longtemps. C'est une belle nuit, hein. même en ville, les étoiles sont quand même visibles. Ça, c'est sympa. Bah, tu vois, je suis vraiment content que tu dises ça parce que je savais pas si c'était l'euphorie
de notre partie de pêche ou si c'était moi, mais c'est vrai que étrangement le monde me semble plus beau maintenant, tu vois. Oui, non, mais là, ça, j'ai l'impression que qu'on est bien parti quand même. J'ai bien l'impression, c'est très encourageant en tout cas. Oui, franchement, c'est très encourageant. On a eu quelques doutes sur le départ, sur les 2-3 premiers tests, mais ça s'est bien passé quand même. Disons que c'était ça, c'était notre formation, c'était notre stage. Là, maintenant, on passe aux vraies choses. Maintenant, ouais, exactement. Je l'avais pas, celle-là, d'ailleurs. Il y en a tellement, hein. Tu sais, je pense qu'on en fait même sans s'en rendre compte. Hein. Il est possible. Ah putain, bon patronne. Attends, j'espère que j'ai bien noté l'adresse. Mais... Ouais, non, c'est ça. Hein. Soyez discret, mais elle est vraiment très discrète. Hein. Oui, ou alors on est trop discret, ils nous ont pas vus. Bah quand même. Ils discutent de l'autre côté. On verrait bien une voiture, non? Eh, je pense. On va savoir. C'est grand, hein. 8041, c'est grand, hein. Ça peut être beaucoup d'endroits. Ah putain, j'ai envie de l'appeler. Ouais, si vraiment, attends une minute et appelle-la. Ouais, je suis impatient. Bon, et moi aussi, ça me donne envie de savoir ce qu'elle voulait te dire. Et nous dire, du coup, si je suis invité, mais... Oui, non, je pense qu'elle a compris. Tu sais, le coup de la pêche, tout ça, c'est parti avec toi. Je pense qu'elle a compris que ce qu'on faisait à côté, ça se passait pas sans toi. Donc je pense que si elle a confiance en moi, par répercussion, elle a confiance en toi, tu vois. Ah, mais ça fait plaisir. Et de toute façon, je l'aime bien, ta patronne, elle est gentille. Ouais, non, je pense qu'il y a un peu fofolle, mais après... C'est ce qui rend les gens intéressants. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oh merde, je crois qu'elle est passée à la pharmacie. Elle a dû aller acheter du liquide ou du sérum fil. Ah hein. Oui. Elle a dit qu'elle avait un problème d'œil. Ouais. Ah bah c'est bien le moment, tiens. Ouais, dis donc, c'est quoi une infection hein. C'est quoi ce truc qui klaxonne là? Non, c'est moi, j'ai pété. Bon. Il faudrait peut-être faire réviser tout ça avant de t'y aller. Hein. Je suis garagiste, je m'y connais. Ouais, mais pas pour ça. Tu verras les examens de la quarantaine. On en reparlera. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. T'as, j'ai pas hâte, par contre. Je vais pas te faire un dessin, mais ça ressemble un petit peu à ça, là. Oh. Ah, moi, celui-là, je le veux pas, l'obus. Ah ouais, la quarantaine, c'est toute une épreuve. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont placé là. On va pas attacher nos bateaux ici. Hein. Oui, non, c'est. Oui, non, mais c'est pas une ancre ça. Oui, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble quand même un peu à un bout. Hein. Mais non, c'est un sifflet géant. Oh merde. Oh. Oh, mais tu l'as fait tomber. Oh, recule-toi. Oh putain. Heureusement que c'est pas une bouteille d'oxygène ou un truc comme ça. Hein. Ah mais c'est une bouteille d'oxygène. Ben faudrait pas que ça pète, non? Oula, et voilà, Milena qui nous demande d'être discret. Aïe. Aïe, ça commence. Ça commence. Même ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Putain. Le rond. Ouais, c'est rond, mais c'est quoi? Bah ouais, ils sont cons, on le voit que c'est rond. C'était pas obligé de mettre de marquer dessus, non? Franchement, sur les carrés, ils ont pas marqué carré, si. Bah ouais, si. Non. Ah non. Oh merde, putain, Léo, fais pas de bruit. Et je commence à m'impatienter un peu. Chut. Oh, ça pète la bécane. Oh là là, oui. Je crois qu'elle a pas soigné ses yeux. Ouh la vache. Bonsoir. Non, mais j'ai envie de mourir. Madame Moon, quelle moto. Vous avez le hockey. Ouais, bah j'ai pilote en vente. Ah mais tu es, c'est investissement là. Ouais. C'est laquelle celle-là? Celle-ci c'est la Nightblade.
Nightblade, ça vous dérange si je monte dessus juste pour voir un peu la position? Ah bah attends, je... Ah, elle est vraiment belle, hein. Je vais verrouiller, hop là, vas-y. Allez. Ah, très bel investissement, hein. Ah, elle est pas mal. Ouais, hein. Bon, moi j'aime bien. Bon, avec ce casque-là, c'est pas terrible, mais... Non. Oui, mais j'ai pas mon casque sur moi. Ouais. Non, donc... elle est vraiment belle. J'aime bien les flammes et tout. Fais-toi un petit tour, je pense que Madame Moon sera pas contre. Non, mais en vrai, non, ça va. Bah, elle est belle en tout cas. Bah, pourtant, elle est pas full équipée en plus. Hein. Ah, elle est jolie, moi j'aime bien ces petites flammes oranges. Venez au LS, je me ferai un plaisir de vous faire un prix. Ah, oui, bah, on m'a donné une petite facture, j'en ai pour 10 000. Comment? Oui. Ah ouais, mais c'est le prix de la moto, non? On peut s'arranger. Hein. Si vous venez tard la nuit quand il n'y a personne, on fait ça en cash. Hein. Ah bah je vais peut-être passer alors. Ah, il me saoule. Bon alors attends. Bon, Ouais, dites Madame Moon, ouais. Dites-lui, je sais pas si... À part votre hockey, vous avez des choses à nous montrer? De ce que j'ai compris, la personne qui m'a informé, apparemment ici il y aurait un vendeur, il y aurait deux comment on appelle ça? Mm-hmm. Ouais. Des chats noirs. Alors attends, que je reprenne mes messages. vous nous avez pas fait venir pour deux vendeurs de hot dogs, rassurez-moi. Non, du tout. D'accord. Mais vous avez pris quelque chose parce que vous m'avez l'air bien joyeuse. Ah ok. Ça ouais, non, apparemment il y a deux bungalows ici et apparemment il y a des trucs voilà quoi. Waouh, pardon, hein, j'ai pas pu m'empêcher. Ah bah tiens, je mets ton casque, Léo. Ouais, mais c'est pas le mien, oh, je l'ai trouvé là-bas. Il est en harmonie avec la voiture, hein. Regarde, non mais il met toujours le casque orange. Moi en général je sors le rose. Oh mon dieu, ce qu'elle est belle. Par contre c'est vrai que j'ai du mal à vous entendre, Milena. Ouais, hein. Je sais. Et là, c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux, ouais. Il faut maintenir ça, là. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est mieux, là. Bon, alors, du coup, ouais. Il y aurait des vendeurs par ici, mais des vendeurs de quoi? Ouais, bah, je sais pas. Par moi, il y aurait des armes, et puis il y a un autre bungalow, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais, mais attends, mais c'est où, les bungalows, alors? Il faut qu'on aille vérifier. Le but étant d'aller vérifier, là, ensemble, c'est ça? On n'a pas déjà, en fait. Non, parce qu'en fait la personne elle est partie se coucher. Elle est pas toute seule dans sa tête. Parce qu'en fait moi je vais récupérer et après je revends. Et qu'est-ce que tu revends? Bon, ouais, concrètement de quoi on parle? Ah, le mot a été prononcé. Ça se trouve où ça? Parce que nous on a trouvé 2-3 trucs, mais je crois qu'on a juste l'entrepôt de séchage. Ah ouais? Ouais, je pense. Bah, je sais pas, apparemment il y a deux bungalows dans le coin là. Ah mais c'est pour... Ouais mais non, mais moi je te demande plutôt où on l'a trouvé, ouais, l'herbe. Ouais bah oui, je sais, bah, je cherche en... Qu'est-ce que tu veux dire mon petit crazy? Mais là je sais pas, là c'est la première fois que je vais ici là, donc apparemment il y a deux bungalows ici. Ok, mais c'est la première, d'accord. Toi, ou... Là non, actuellement j'ai tout vendu tout à l'heure. Et tu l'as trouvé où avant de la vendre? Moi je passe par l'intermédiaire de quelqu'un. Ah, quelqu'un qui te la refourgue directement. Ouais, ouais. Ah, donc tu as pas de plan pour aller la chercher directement et la faire pousser? Non, mais enfin, je suis en train de jeter un peu partout en ce moment. Pour ça, ça il marche, m'a donné un endroit ici par rapport aux armes. Ah, ça va, ben on va... Tiens, regarde, attends, je te file ça, tu me le refiles après. C'est un premier point. Hein. De quoi, c'est quoi que tu as? Tiens, ah, voilà. Mais... Mais je veux... Il s'appelle Reviens. Ah oui, c'est, non mais... C'est le pétoir. Mais... Ah oui, ok. Comment il s'appelle? Celui-là est un peu plus au nord. C'est un vendeur, un mec des Lost. Ah ouais? Ouais bah je sais pas, apparemment il y a un vendeur ici dans le coin. Ah bah vas-y, mais... Ah merde. Mais je sais pas, ouais, faut regarder. Parce ouais, que bon, j'ai on pas va, été on encore. On va se balader alors. Bah par là on l'a fait mon petit Léo, on n'a rien trouvé. Non, hein. Moi ce que je pense là quand on est allé là-bas c'est que c'est plus derrière la... Tu crois, là où j'ai dit. Bah, ouais allons, moi je le vois derrière bien, l'entrepôt là-bas. Allons voir. Mais hein. Derrière mais allons voir. En tout cas vous m'intéressez Madame Moon là, cette histoire là faudra... Ouais faudra... ça commence à devenir intéressant. Ouais, faudra... Tiens je vais me faire une course d'escargot. Faudra nous dire où on peut se procurer ça. Ok c'est bien parce que c'est toi hein. Mais j'ai pris de l'avance. Ouais. Ouais mais attention hein. Le petit Matt est pas loin.
Ta-ta-la. J'ai l'impression que je te mate le boule. Pardon. N'est-ce pas? Ouais, non mais attends, là, t'as triché, Léo. Ouais, à un moment, j'en avais marre de ramper. Ouais. Ah, bah là. Elle était un peu lourde. Mais voilà, ça doit être les bungalows derrière, là, que je disais. Tu vois, les bungalows, là. De quoi? Là, derrière, tu le vois pas, le bungalow, là. Ah, putain, bien vu. C'est de ça que je te parlais. Je te disais, ça m'a l'air un peu suspect derrière. Ouais, mais comment on descend? Oh, putain, non, mais attends, moi, je fais pas ça, hein. Oh putain, par contre faites gaffe, c'est haut. Hein. Ouais, non, mais ça va pas. Mais... Oh putain. Voilà. Oh non, mais vous êtes des dingues. Là, si tu préfères. Ou alors, attends, passe par là. Mais un peu plus à droite. Là, un peu à droite. Mais... Ouais, mais moi je passe pas la grille, les gars. Mais si, bien sûr. Oh, j'ai plus 20 ans. Hein. Bon, je vais chercher la mat mobile. Hein. Ouais, vas-y, va chercher la mat mobile. Non, mais ils me font chier. Allez, on peut quand même courir par contre, mais ils sont fous quoi. Ah, la mat mobile ou la patronne mobile? Ah putain, mais attends, comment on va là-bas? Ah bah vous êtes déjà là? Ouais, non, mais parce que je vais emmener le véhicule. Ah bah oui, je pense que c'est mieux qu'on soit prêt à partir. Ouais, parce qu'on sait jamais. Hop. C'est pas loin du LSPD, c'est un peu cool. Allez, je vous suis, patronne. Oh merde. Vous avez encore appelé patronne. Bon, donc l'adresse c'était pas tout à fait ça. Hein. Mon dieu. Je regarderai, hein, mon petit crazy. Hein. J'ai vu ton message. T'inquiète pas. J'arrive, mon petit Léo. Ouais, désolé, j'étais pas prêt. Non, c'est pas grave. On est pas loin là. Tu viens avec la mat mobile? Oui, je viens avec la mat mobile. Ouais. Ouais, ben c'est parfait parce que prends le matos. Hein. Ah, tu crois? Ouais, on sait jamais parce qu'elle dit qu'elle va revendre de l'herbe et c'est un GG là, comme tout à l'heure. Hein. C'est un Lost. Ah putain, du coup, on sait jamais. Si elle dit qu'elle revend l'herbe ici, c'est peut-être. On peut peut-être aussi revendre ce qu'on a. Putain, c'est pas con et on serait pas obligé de lui en parler en plus. Donc prends tout sur toi et on voit ça après. Bien vu. Plus, mais je te fais confiance. Ah, tu m'entends plus? Merde. Oh putain, les gars, si on arrive à vendre ça, là c'est le bonheur. Ouais, je sais, j'ai pas ma ceinture. Oh, les Rolex. Putain, je peux pas prendre les Rolex, sérieux? Ah, une. Ah putain, je peux prendre que ça? Attends, le saké. Ok, bon, on va déjà essayer de vendre ça. Vous êtes où? J'ai peur du noir. Hop. Taser, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un taser, moi? Et d'ailleurs, encore une arme pour taser. Pardon. Ta grand-mère. Pardon. Non, moi je revends, tu vois, je peux aller revendre aux concitoyens, tu vois. Ah, directement aux concitoyens, eh oui. Ouais, bon après, en fait, quand la personne refuse, ça prévient tout de suite la LSPD, quoi. Ah ouais, faut pas traîner dans le coin, ouais. Et ouais, bien sûr. Bien sûr, mais après faut pas en avoir beaucoup sur soi, enfin, faut faire ça bien. Moi à chaque fois j'en prends 100 et puis, enfin j'en ai 100 et puis je vais vendre. Ah oui, non, 100 c'est beaucoup trop, il faut garer la voiture un peu plus loin et en prendre que 20 sur soi et faire des allers-retours. Hein. Ouais. C'est plus près. Clairement. Hein. Après moi j'ai pas de voiture, j'ai que ma moto. Mais faudra vraiment nous dire où vous. Ouais, vous mais tu t'achètes une petite. Bah ouais, y'a pas de soucis, de toute façon au pire des cas j'en parlerai avec la personne et puis.
Ouais, ouais. Nous, c'est possible. Enfin, moi, ça m'intéresse. Ce serait bien qu'il lâche l'endroit. Ouais, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Et du coup, là, vous avez trouvé un vendeur, là? Non, mais c'est un GG, ils vendent des armes. Mais va voir en haut si tu peux revendre les trucs quand même au GG, du coup, parce qu'on n'a pas essayé tout à l'heure, mais... Du saumon. On a, ouais, du bon saumon. Du saumon diamanté, du saumon lingoté et du saumon... Ah merde, c'est... il lâche le morceau. Ah, oh, mais oui, mais putain, vous êtes de la même famille. Bonjour. Oui, non, mais parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent. Entre GG. Je sais pas comment les appeler d'ailleurs. Ah, bah j'en sais rien. Non, ils font rien d'autre. Non, mais ils vont la même chose. De moi, quoi 4, en vrai, et comment ça de Corse, c'est moins cher. Bon, allez, fais un petit effort. T'es sérieux? T'es comme ton frère en fait, toi. Et je te propose rien de plus que ça. Non, mais tu peux pas me proposer ça. Ok, bah tu sais quoi, tu vas te faire foutre. J'ai traité avec ton frère, il était plus sympa que toi. Hein. Non, mais là tu te la pètes parce que monsieur est dans un Algeco. Ouais, va chier. Putain, bats les couilles. L'énerve pas. Non, je veux pas l'énerver, mais c'est bon. Il fait genre, non, ça va, poisson doré, ça m'intéresse pas. Poisson diamanté, bats les couilles. Enfin bon, on peut pas négocier. Ouais. Bon. Vous avez entendu ça? Qui reste dans son Algeco. Ouais, qui va. Ah, hein, voilà. Attends, mais fais voir ça, moi j'ai toujours rêvé de conduire ça. De quoi, un Algeco? Il me saoule. Qu'est-ce qu'il fait? Je savais même pas couper. Oh putain, ça c'est le bonheur. Il m'énerve. Ah, ça c'est génial ça. Je savais même pas qu'on l'américain. Mais oui, il doit pouvoir. Hein. Lève un petit peu les pales. Attends, je sais pas faire encore, j'ai pas tous les boutons. Tiens, va lui foutre sur la gueule à Joe là. On va le soulever. Et c'est pas bon, attends. Tu vas le voir et tu lui dis Joe, je vais te monter en l'air. Tu vas voir. Joe le taxi. Oh, c'était pas top ça. Bon, vas-tu y arriver là? Eh, j'y arrive pas. Ouais, oui, t'as pas les boutons? Ah, faut que tu lèves les fourches. Non, j'y suis pas arrivé. Là, moi, j'ai pas les boutons. J'arrive pas à lever les fourches. Oh, ça doit être... Attends, ça doit être simple. Ah oui, tout à fait. Y'a pas quelqu'un qui a dit putain madré, là? Ah, oh, ça non, doit être un coup de citoyen. Ok. Ah bah, si vous voulez pousser comme ça, ça marche, c'est sûr. Ouais, non, ça marche pas, ça m'agace. Non, mais il doit être bloqué. Ouais, non. Ah, par contre, il y a une ceinture. J'espère juste que ça a prévenu personne qu'on a ouais, démarré ouais, cette ouais, semaine. Ouais, ouais, ouais. Non, y a pas d'alarme sur des trucs comme ça. Non, ouais, non, normalement, non. Attends, ça m'étonnerait qu'ils dépensent des cent des mille pour foutre une alarme là-dessus. C'est vrai qu'on... Tu as garé la voiture quelque part ou... Ouais, juste derrière, là. Allez. Qu'est-ce bon. Que... D'ailleurs, Madame Moon, vu que Léo a abordé le sujet, vous avez pas d'idée où on pourrait vendre des golden poissons Mais je sais pas ce que vous appelez des golden poissons. Des golden poissons, quoi. Quand même. Des golden poissons, c'est... Bah, des diamants poissons, des Rolex poissons, enfin, ce genre de choses, quoi. Ah bah ça, j'en sais rien, peut-être que je peux demander à mon contact. Mais bon, là, il dort, donc... Ah, merde, ouais. Mince, alors. Après, je pourrais essayer de voir demain matin, si, parce que je sais que généralement, le matin ou dans le début d'après-midi, il est là. Ah bah voilà, pourquoi pas, hein. Après, lui demander et qu'il sait où vendre ça, nous, ça serait pas mal. S'il comprend le jeu de mots, vous lui dites qu'on lui fait des gros bijoux. Normalement, il devrait comprendre. Ouais, y a pas de soucis, j'en parle. Voilà. Bon, oh, bah, concrètement, vous nous avez montré deux Algeco, Madame Moon, c'est ça? Oui, c'était une belle visite, mais nous, on a déjà un appart. C'est-à-dire que, bon, j'imagine que les loyers sont bas, mais... Déjà, la femme de ménage est pas très causante, alors... Ah ouais? Faut la saboter, hein. Peut-être que ça ira peut-être mieux. Hein. Après, la femme de ménage fait deux fois mon poids, donc je vais peut-être éviter. Mais... Faut prendre une aiguille et la percer.
Oui, patronne. Et vous êtes sûr que vous faites qu'en vendre? Oui. Non, je ne consomme pas. Autrement, je me fais taper sur les doigts si je redonne pas. Ah oui, j'imagine. Ce qu'il faut donc. Bon, mais du coup, vous n'avez pas trouvé votre vendeur là? Non, ça me dérange là. Votre vendeur, mais votre vendeur de quoi? Ah, mais moi, j'essaye de trouver là où est-ce qu'on peut acheter, enfin prendre les, enfin faire pousser quoi. Ah. Mais on peut peut-être l'amener déjà à l'endroit qu'on connaît aussi. Oui, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Oui. Vas-y, et on va vous amener quelque part. Vous nous suivez. Il n'y a pas de souci. On va faire un petit tour dans les champs. Allez. Léo, tu peux conduire? Ouais, vas-y, avec plaisir. J'ai un coup de mou là. Non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je viens de... Oh là là, j'en ai un double. Attends. Oh là là, je viens de mater ton immatriculation. Oh putain, ouais, non, mais je crois que tu en trouveras une infinité là, en fait. Hein. Et c'est un truc un peu de cake, hein. C'est marqué yo. Ah ouais. Ouais, regarde derrière. Ah ok, je cherchais le jeu de mots avec maths en fait. Ça serait possible de pas aller trop vite parce que j'ai des problèmes d'œil. Hein. Ouais, non, on va tranquillement. Oui, non, j'irai à 110 pas, hein. Maximum. 120. Ah oui, d'accord, ouais, bah, alors attends, ouais. Par contre, tu me mets le point ou pas, Matt? Ouais, je te donne ça, mon petit. Alors attends. Mais au pire, vas-y, on va. Comme ça, tu me mets le point et tu lui mets aussi, non? Bah, en fait, ouais, je vais peut-être vous donner l'adresse. On se retrouve. Attends, tu veux aller à la fabrique ou l'autre là? Celui pour l'herbe, du coup. Ouais, non, mais on va aller faire un tour au 2004, Madame Moon. Mais 2004. On se retrouve au... Je mets ça dessus, et puis... C'est bon, j'ai mis le truc sur GPS. Ah, et on est parti, on se rejoint là-bas. À tout à l'heure, soyez prudente. Y a pas de soucis. On sent la déformation professionnelle, hein. Y a pas de sushi. Arrête pas de répéter ça. Hein. Je pense qu'elle a pas dû aller à la mat Ernel. Bon. Ça te dérange pas si je pique un petit somme, mon petit Léo? Non, fais. Moi, je vais conduire tranquille, hein. J'ai encore la fin de ma club dans la poche, donc je vais en profiter. Ah bah écoute, vas-y. Impeccable. Dis pas de bêtises, hein, je laisse la GoPro branchée. Non, bien sûr, ça te dérange si je me gare, je me mets une petite bouteille avant de prendre vraiment la route. Bah, tu rigoles, bien sûr que non. Je te fais confiance, je sais que t'as l'entraînement. Ouais, bien sûr, aucun souci, je conduis même mieux. Allez, vas-y, je pique un somme et je reviens tout de suite. Je vais vous laisser avec ce bon vieux Léo. Au volant de la mat mobile, on va aller faire un petit pipi, hein, parce que ça fait quand même un moment qu'on est en live, et je vous reviens très vite, évidemment. Je vous laisse avec Léo. Il s'est mis red, j'arrive. Une bonne bouteille. Allez. Et voilà. Ah, et bien appuyé sur l'accélérateur, on y va. Oh là là. Oh! Elle avance pas, cette caisse, c'est pas possible. T'endors pas. Attention, concentration. Voilà, mais j'ai dû dormir longtemps, parce qu'il fait déjà nuit.
concentré. Ah ouais, ça fait combien de temps qu'on roule? Il fait déjà nuit. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, tu m'étonnes. Ah tiens, il y a un vieux bonbon dans la boîte à gants. Ah. T'en veux un? Non, ça va. Je mange plus ça. Il faut que je passe chez le dentiste. C'est je pense que c'est le café et que ça me ronge les dents. De temps en temps, ça fait pas de mal. Oh, oh putain, oh la vache. Oh. Eh ben bravo. Ça va mon Léo? Ah putain, bravo. Oh, ça va. Ouais, écoute, plutôt bien finalement, hein. La barrière était de ton côté, j'ai eu de la chance, hein. Ouais, franchement, ça va, tu t'es tapé un peu ou... Non, ça m'a secoué, mais tu sais, j'ai l'habitude, moi, mais... Et c'est pour toi, mon grand, c'est toi qui as pris la barrière. Non, moi, ça va, j'étais un peu ramouillé, là. Oh, putain. Ah, attends, je vois pas. La titine, elle roule ou pas? Ouais, c'est une bonne question. Oh, la vache, tu m'as raflé le côté. Bon, c'est pas grave, tant que tu vas bien, tu me diras. Ouais, elle roule moins bien qu'avant. Mais... tu m'étonnes. J'ai un ami qui est mécano, ça devrait s'arranger. Ah, c'est sympa ça, tu me le présenteras. Ouais, tu veux que je l'appelle? Non, ça va, il conduit. Ouais. Bon, écoute, tant que tu vas bien, c'est pas grave. Hein. La Matmobile, elle en a vu d'autres. Désolé pour ce RP bonbon. Ouais, tu t'es bien reposé. Écoute... Tu sais, des fois, une petite sieste bien courte, ça passe bien. Hein. Ça fait du bien, ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut ça recharge, les siestes. Ça recharge les batteries. Après, un petit bonbon au réveil. Mmh. Ah, tu sais quoi, comme bonbon? C'est un Versters original. Oh, ça me revient rien. C'est un truc à la menthe, ça. Ah, c'est un truc de quarantenaire. Hein. Tu peux pas comprendre. Ouais, c'est un petit truc au caramel. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que tu leur fais peur. Ah, mais on est bientôt arrivé. Oui, si on arrive, hein, il faudrait pas que je me prenne une autre barrière. Non. Bon, il n'y avait pas de barrière, ça va. J'ai un peu trop bu. Ah, mais merde, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est l'alcool. Oui. Ouais, je me concentre, hein. J'ai pas envie de nous tuer là. Ouais, surtout à 300 mètres de l'arrivée. Désolé les gars. Et je suis sûr que c'est dans ces plantations là. Mais moi c'est pour ça que j'ai voulu le ramener là, c'est que s'il y a une production quelque part, je vois que ça en fait. Or tu as dit 2004, hein, c'est là. Hein. Ouais, 2004, elle a dû tomber par là, hein, normalement. Je vais mettre au croisement. Ouais, pas bête. Oula, mais attends. Ça y était, ce bâtiment là-haut, là. Et lequel? L'espèce de grange qui clignote là. Ouais, ça y était. On a discuté. Oui, c'est vrai. Ouais, je me souviens, ça y est. Bon, pas de message. Je vais faire un tour, Léo, on sait jamais. Hein. Ah ouais, vas-y, visite. Putain, il y a toujours que des tomates cerises. Putain, attends. Je suis sûr que c'est quelque part là. Attends, faut essayer de trouver. Ça doit se voir de loin, non? Et je pense, mais là, sur le bâtiment de... Merde. Sur le bâtiment? Tomates cerises. Ils auraient pas planqué un truc entre deux là.
Je crois qu'on le trouvera pas comme ça. Hein. C'est vrai que si on arrivait à trouver toute la chaîne de production de weed, c'est-à-dire de la fabrication à la vente, ça peut être assez lucratif. Parce que passer par des intermédiaires comme le fait Milena, évidemment, tu dois te faire avoir. Mais après, c'est très RP par contre. Pardon, hein, j'en profite pour HRP un petit peu. Je sais pas où ça pourrait se trouver. Allez, oh. Ouais, tu visites. Ouais, bah tu sais, on sait jamais. Je me dis qu'ils ont peut-être planqué ça entre deux tomates cerises, là, mais... Ouais, tu vois, c'est joli avec les brebis et tout ça. Ça rappelle le pays. Je voulais te dire, ouais. Mets-toi sur la radio, 666. 666. Ouais, t'as pas autre chose parce que je pense que c'est utilisé par la plupart des bikers du coin. Ah, vas-y. Eh ben, 667. Bien vu l'artiste. Allez, à de suite. Comme ça, ça sera plus facile. Mais non, parce que là, appelle Milena, si jamais je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, j'ai quand même eu le temps de, c'est vrai, de boire une bouteille, de nous mettre presque dans un fossé. Et pas là, je me fais un peu de soucis. T'as raison, je l'appelle. Ouais. Allez, ça marche. 667. 667, je l'appelle et je me mets dessus. Ouais, c'est vrai ça. Peut-être raison, Léo. Ou alors elle est concentrée sur sa conduite. La radio. 667. Léo, tu me reçois? Je t'ai, tu m'as aussi. Ah, impeccable, je t'ai aussi. Ouais. Je la vois arriver. Ah ouais, mais on peut pas la rater. Hein. Ouais, non, on peut pas la rater, ouais. En plus, elle est passée par un champ. Ouais. Bon, elle arrive. Bon, j'ai rien trouvé de ce côté. Hein. Et ouais, on peut pas vous rater, hein. J'ai eu peur pour vous, mais. Avec vos petits sursauts, là. Vous avez le hockey, vous. Madame Moon? Madame Moon. Vous avez une radio, nous on est sur la 667 là, au cas où on se sépare un peu. Ah, mince, Madame Moon. Il va falloir en acheter une. Ah oui, il va falloir en acheter une. Ça. Ouais, dites, c'est important. Dites-moi, c'est pas vous tout à l'heure qui nous disiez d'être discret? Pardon. Ah ouais, non mais. Moi je suis passé à travers champ, moi, rien à foutre. Vas-y, tu te rappelles où c'est ou pas, Matt? Ouais, je me rappelle où il y a l'entrepôt, mais j'aurais bien aimé trouver la fabrication là. Vas-y, mais ouais, attends, ça aurait été pas mal. Mais je sais qu'il y a les sachets aussi à récupérer. Hein. C'est ouais, ça. Voilà. Ben, on va aller voir à l'entrepôt, voir si. Eh ben. Prends la moto, suis-nous. Hein. Ou monte avec Matt et je prends la moto, comme tu préfères. Hein. Bah, il va avoir des problèmes d'œil. Il faudrait mettre les sachets, comme on dit au Golden Koi, les sachets mis. Ça vous parle, pardon. Ouais, oui, non, mais après, il n'y a pas de problème, de toute façon. Non, considérez que je n'ai jamais fait cette blague. Je voulais savoir, tu as des nouvelles de Stan? Eh ben non, j'ai pas essayé de l'appeler ce soir, mais ça m'étonne, ça fait un moment qu'il m'a pas appelé non plus. Parce que s'il revient pas, ce serait sympa de le dire, quoi. Après, je crois qu'il m'a dit que je pouvais prendre sa paye. Ah ouais? Ouais. Donc ouais, je suis pas sûr, mais il m'a rien dit. Non, mais... sans mauvaise blague, Stan est un ami, je lui remettrai, y a pas de problème. Il faudra juste me donner le montant exact. Oui, y a pas de souci, mais je crois que l'intranet... Parce que vous allez quitter le Golden, Madame Moon, d'ailleurs, on sait pas lui. Ça va dépendre là parce que bon j'ai poussé ma gueulante au niveau du siège social là-haut ouais ça fait du sale ça crazy. Doit bouger parce que bon moi je passe pas 5 heures voire 2 jours à aller chercher les matières non c'est bon ça va 5 minutes quoi.
Ouais, le ah, mieux vous c'est avez de bien vendre fait. De Ouais. l'herbe. Ah oui. Ouais, faut pouvoir la trouver déjà, faut la faire pousser. Mais... Bon, eh ben, on reparle de tout ça, mais c'est vrai que Léo cherchait toujours un petit travail, si un travail légal, non, j'entends. Pour l'instant, non. En vrai, faut, que, ouais, faut bon. Que je regarde, parce que apparemment, d'après ce que Madame Moon a dit, oh, j'ai encore un peu le hoquet. Okay. C'est... Excusez-moi. Ça c'est va, mon moi tu... Mais normalement, ouais. Ça va peut-être être changé, là, parce que j'ai poussé ma gueulante, alors... Bon, bah, c'est bien. Bah, vous me tenez au courant, hein. Ah ouais. Bon, allez, suivez-moi, Madame Moon. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. En même temps, faut pas se plaindre de pas faire d'argent s'il y a pas de soucis au Golden. Hein. Oui, non, c'est sûr. Madame Moon, voyez, là. Oui. Bah, c'est pas là. Non, mais attends, c'est derrière. Oui, je sais. Mais où tu vas? Alors, bah, je fais demi-tour. My God, bisous. Attention par contre. Ah, travers champ. Oui, bon, attends, ouais. On n'est oui, plus à ça près. Hein. C'était ça, hein, je crois. Ouais, c'était là. Attends, garde pas à l'intérieur. Attends, rentre les rétro. Oui, bien sûr. Hop. Attends, tac, hop. Impeccable. Mais nous y voilà. Et voici. Repère des bandits. Ouais, d'ailleurs, j'espère qu'ils nous entendent pas s'il y a quelqu'un. Hein. Ah! Putain, ils ont D'accord. fermé la porte. Voilà, non, c'est comme vos plans. Non, c'est fermé. Eh hey, merde, mais attends, c'était ah ouais, ça, attends, non? C'est pas possible, bien sûr, c'était ça. Attends. Bah, décidément. Oh là là, attends, moi j'évite ça. Ah, attends. Et non. Regarde derrière, t'as vu? Ouais. Derrière, avant, ici, là. C'était marqué 420 farms, et là, maintenant, c'est Onion Grain. Mais putain, mais oui, ils ont repeint, ouais. Et ouais, ils ont repeint. Et mais c'est plus là. Ils ont délocalisé. Attends, mais l'oignon, là, c'est pas le gouverneur, là? Ah, peut-être. Ou c'est Union. C'est Oignon ou Union. Aussi, il y a une grille au mauvais c'est endroit. C'est Union. Moi, je vois l'oignon. Hein. Ouais, sauf moi, je vois ont... surtout des lettres un peu mal. S'ils ont repeint là, il n'y a pas longtemps, ils auraient pu faire ça mieux, quoi. Putain, tu crois qu'ils ont déménagé l'entrepôt? Ouais, ils ont déménagé l'entrepôt, c'est sûr. Parce que là, il n'y a plus rien. Faudra aller voir à l'autre, du coup, là, l'entrepôt de... Oh, je sais pas ce que c'était. C'était de la mettre. Ouais, ils transformaient un peu de tout, ouais. Ouais, mais l'entrepôt là-bas, le truc de la, par le contre, laboratoire, là, faudra aller voir. Parce que là, tu vois, ils ont ouais. changé l'entrepôt, donc... parce que avant Madame Moon, ouais. derrière, là, à la place d'être marqué Union Grain, là, derrière, là, c'était marqué c'était. 420 farms. Bah oui. Et du coup, on était rentrés, c'était une jolie pièce. Ah oui, bah, c'est bizarre. Ouais, c'est fini, apparemment. Ils ont peut-être délocalisé. Fait gauler, hein. Ils ont dû... Ils ont dû bouger avant de se faire attraper, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est bizarre. Bon, on essaie d'aller voir l'autre, mais tu te souviens où c'est, toi, ou pas? C'est là où il y a les baies, hein, c'est la boulangerie. Ah bah ouais, mais ouais, ça me semble bien que... Ça m'étonnerait que ce soit Rendez-vous à la boulangerie. Ah oui, tout là-haut, là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas lequel c'est, hein, mais c'est celui... c'est le garage, si je dis pas de conneries. Le 2027, Madame Moon. Le 2027. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est celui-là. Attends, ouais, je vais regarder sur le GPS. Je vais remonter par là. Ouais. Mais essaye de faire doucement, ouais, parce que s'ils ont changé l'entrepôt, peut-être que potentiellement ils ont changé aussi d'autres choses par lesquelles ouais, on est déjà ouais, passé. Ouais, ouais, c'est pas faux. Oh putain, mais il y a un avion là. Où ça? Bah juste en face là. Oh, je vois pas. Oh. Oh, va voir. Attends, on sait pas qui est à l'intérieur. Hein. Ouais, justement, on va dire bonjour. Ouais, t'as raison. Et nous, c'est perdu, on s'en fout, on se balade, hein, on est dans les nords. Ah, mais c'est notre gouverneur. Tu penses? Attends, j'ai l'impression, oui.
Et bonjour. Pour avoir un jet comme ça, ça peut être que le gouverneur. Hein. Putain, c'est la classe. Hein. Et d'ailleurs, c'est ton ancien collègue. Bonjour. Et bonsoir. C'est... Ah mais... Bonsoir. Bonsoir. Ah mais non, c'est bonsoir, pas... Bonsoir, c'est pas monsieur... Ah mais non, c'est pas monsieur c'est l'oignon. Pas monsieur le gouverneur. Ah, on vous a pris pour le gouverneur. Et ouais, ah, non, avec... Et avec un jet pareil. Et ouais, c'est... Ouais. Wow. Ouais, c'est joli, hein, comme engin. Ah ouais. C'est gros, oui. Ouais, c'est sympa. Un bel engin. Si c'est pas indiscret, ça coûte combien une bête pareille? Je sais pas, c'est pas. Mais attendez, mais on se connaît. Bonsoir, monsieur, vous souvenez ou pas? Votre voiture orange, oui. Je me souviens, c'est pas vous qui étiez. Ouais, ok. C'est ça, c'est vous qui aviez écrasé la Matmobile, ouais, je me souviens. Oui, ça a été bien réparé au fait. Bah, d'ailleurs, très bien, oui, votre argent a suffi à couvrir les frais. Bon, c'était juste, mais c'était impeccable. Ok, bah super. Non, impeccable. Vous avez besoin de quelque chose? Non, bah, on bah, se pas promène. Du tout. On se promène un peu. On a vu un bel avion. C'est pas mal, mais c'est dangereux, vous savez, de rouler sur le... Comme ça, là, il peut arriver à travers un autre les avion lignes. Qui arrive. Ah oui, non, mais c'est non, vrai, non, là, c'est vrai qu'on est un peu... Juste pour dire, mais c'est pas grave, il y a personne. Ouais, n'inquiétez pas, ça a été libéré. On vous a vu, non, vous, mais c'est et on n'a pas un réfléchi. Peu sur la piste. Vous inquiétez pas, ok. Ouais, bah, bon. Très bien. Mais excusez-nous bah, du hein, dérangement. Non, bah, ouais, problème. Tout à fait. Mais, content de vous voir avec votre petite. Voiture petite, en ma petite Matmobile réparée, ouais. Matmobile, okay, c'est un plaisir. Je savais pas comment ça s'appelle. Oui, je lui ai donné un petit nom. Un petit coup de chiffonnette et puis. Oui, ouais, bah là, c'est les champs, là, ça ne l'arrange pas. Ouais. Bon, pas, bah, c'était un plaisir de vous revoir, en tout cas. Hein. Soyez, pareil, soyez prudent sur la route. Et puis, très bien. Ouais, bonne bah, soirée oui, à vous. Bah, vous aussi, hein. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. À bientôt, monsieur. Excusez-nous du dérangement. Pas de soirée. Non, bah, pas de problème. Bonsoir. Au revoir. Ah, bah, tu vois, je croyais que c'était le gouverneur. Ouais, non, mais moi aussi, avec l'avion pareil. Et la ah voiture, bah, mais c'est la voiture. À chaque hein. fois, je confonds avec le gouvernement. Hein. C'est ces voitures-là, ce genre de. C'est trompeur. Hein. Ouais. Merde, attends, il y a Madame Moon qui doit nous attendre. C'est vrai, c'est possible. Bon, mais il n'y a pas de radio. Ouais, non, il faudrait vraiment qu'elle se trouve une radio. Hein. Bon, j'ai pas oui. su aborder le sujet, mais ce mec-là. Je sens qu'il trempe dans des trucs. Il a pas l'air d'être dans des plans très rigolos. Hein. J'ai pas insisté parce qu'il veut pas donner son prénom ni son nom. Mais par contre, je crois non, bien que... Non mais moi que... je l'ai, hein, son nom. Hein. Il me l'avait donné. Hein. Non, vraiment? Et oui. Comment il s'appelle, ce petit bonhomme? Enfin, c'est pas lui qui me l'avait donné, d'ailleurs. C'est parce que je l'ai croisé, c'était la première fois que j'allais acheter une voiture chez le concesse, là, la petite V-Wheel. Ouais. Et du coup, c'est lui qui avait attendu devant avec moi. On avait discuté un peu. Mmh. Il avait appelé je sais plus qui pour faire venir la concesse ou le concesse. Ouais. Ah, excusez-nous, on a croisé un monsieur tout de noir vêtu dans une voiture toute noire qui venait d'un avion tout noir. Ah, on et puis est surtout, voir ce qui se ouais, passait. Sur un jet, ouais. Ah oui? Ah oui, sacré. Oh là, pardon. tu avais chaud. Ouais, non, c'est l'air conditionné fonctionne plus, donc je suis obligé de prendre allez, des mesures. Non, mais t'as un café, hein. Ouais, non, il a l'air assez mystérieux, ce monsieur là. Ah ouais. Bah ouais, jet privé, beau petit 4x4, tellement qu'on l'a pris pour le gouverneur. Et puis après, il évite toujours de donner son prénom. Ouais. Je crois qu'il traîne dans des. Du coup, on a mis du affaires. Temps à venir, mais c'est juste là-haut. Ouais, c'est juste voilà. derrière vous. Je sais pas si vous avez visité déjà. J'ai été voir, mais il y a un logement qui est verrouillé. Qui est quoi? Il y a quoi? Eh, mais c'est encore ouvert, vas-y. Je vous entends pas là, c'est le casque. Il ouais, faut c'est pas le casque, c'est casque. Bon, hein. Oh, elle roule pas droit. Ouf, putain. On a vraiment affaire à une casse-cou, hein. Place, j'ai essayé d'aller ici, c'est fermé. Ah ouais, mince, mais attendez, mais il y a tout qui a changé ici. Ah non, bah j'ai essayé. What? Attends, mais tout à l'heure c'était verrouillé ah bah... l'autre ou pas? Mais attends, t'as pu ouvrir?
Qui ça qui a pu ouvrir? Mais bah, toi merde, toi j'ai vu. Ouais, on a vu pareil, Madame Moon. Oui. Ah bah merde. Ouvrez où? Oula. C'était quoi ce bruit? Ah non, c'est le sac poubelle. Oh, il y a quelqu'un. Non, c'est fermé. Je fais le tour, Léo. C'est bizarre, hein. J'arrive putain, pas y a un truc pas net ici. La dernière fois qu'on est venu, c'était ouvert. Hein. Et il y avait un labo de maître en bas. Ouais, putain, il se passe un truc ici. Boulangerie, mon cul, ouais. Merde, revoilà Madame Moon. Hop. Ah, mais attends. Eh, dis-moi, c'est pas l'autre qui repart, là? Et si, hein. Putain, mais qu'est-ce qui traficote, celui-là? Ouais, c'est bizarre, hein. Eh, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui traîne dans des affaires, mais... Enfin, il fait pas du golden poisson, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Putain, on aurait dû lui dire, hein, qu'on avait trouvé une maison qui, la dernière fois, était ouverte et qui nous intéressait. Et je sais pas comment l'approcher, ce mec. Je sais pas s'il bosse pour la mafia ou... En vrai, il me fait un peu peur. On le kidnappe. On le kidnappe, t'as vu les moyens qu'il a? Tu crois qu'il est tout seul à faire ça? Y'a rien à foutre, quand il est kidnappé, on est dans le nord, on est tranquille. Ouais, putain, mais moi... On se met en papy, les papy flingueurs, et on le kidnappe. Ouais. Là, c'est plutôt les papy flingués, là. Ouais, attends, tu me connais pas encore bien, alors. Attends, tu crois vraiment qu'un mec qui a un jet privé, un 4x4 comme ça, il va te sortir un taser en face pour se défendre? Moi, j'y crois pas, hein. Non, je crois surtout que quand il aura l'arme sur la tempe, il va rien sortir du tout. Ouais, je trouve ça un peu ambitieux, là, mon petit Léo. Non, bon, mais on va pas le kidnapper, mais attends, mais ça fait chier, ça. Ouais, ça fait chier, ça a rien d'une boulangerie, en tout cas. Non, par contre, ils ont fermé les portes, mais du coup, il faudrait qu'on trouve un truc pour les ouvrir. Ouais, je sais pas comment on peut ouvrir ça. Bah ouais, c'est bizarre, mais il y a peut-être des kits de crochet. Attendez, je vais pisser, je reviens. Vas-y, va pisser, moi. Bonne pisse, hein. Ouais, merci. Attends, je t'accompagne. Non, pardon. Ouais, bon, du coup, ça tombe un peu à l'eau, là. Ouais, c'est merdique, hein. Où est-ce que ça peut se trouver? Il a rien lâché, votre contact? Pas un indice, non, pas un non, truc? Non, rien du tout. Merde, il est pas mauvais, le bougre. Il est pas mauvais. Bah, à mon avis, ça a été déplacé, hein. Ouais, je pense bien, ils ont dû se faire gauler, ils ont déplacé la production, là. Mais c'est chiant, bordel. Et là? Et me revoici. Ça, tout s'est bien passé. Ah bon, bah on est ravis de le savoir. Ah, parfait. Bon, bah ouais, on n'est pas plus avantagés. Hein. Non, mais par contre, ça me fait chier, là. J'ai presque envie de mettre une balle dans une vitre et de rentrer. Ah, tu crois? Non, mais attends, on sait pas qui y a à l'intérieur. Hein. Bah, y a personne. Ouf, oulala, la palette. Ouais, moi, ça me paraît un peu space, quand même. Hein. Je tenterai pas le coup, Léo. Ouais, mais là on sait que c'est un endroit, ça. Hein. Ouais. Là, il se passe quelque chose. Clairement, hein. Hein. C'est pas une boulangerie, en tout cas. Ou non. Ouais, non, ça m'étonnerait. Ouais. Et ce qu'il y a là-haut, là, ça peut être quoi, là-bas, hein? Ce qu'il y a là-haut? Bah, à l'étage, pardon. Tu penses que t'arriverais à monter, toi, qui es agile comme un singe? Ah, je sais pas. Attends, par où je peux monter? Putain, mais tu as fait cette porte? Ouais, je les ai tous faits. Attends, mais là... Putain. Ouah, putain, la vache, bah, j'ai de bons restes. Vous avez vu, Madame Moon, j'ai de bons restes, hein. Ah ouais, ça doit, oui. Et sans les mains, en plus. Pas de lapin. Oula. Oh putain, c'est ouvert.
Ok. Ok. Bordel, mais c'est pas... C'est juste un squat, en fait. Léo, tu me reçois? Je suis à l'intérieur. Oh, tu es rentré comment? Par le toit, par le toit. T'as des palettes derrière la mat mobile. Ouais, tu peux monter. Ok, ça va. Voilà, attends. Léo, c'est toi? Oh putain, je crois qu'on a les mêmes réflexes. Bon, patronne, je suis navré que vous assistiez à ça. Hein. Non, il n'y a pas de souci. À la base, je voulais pas vous le montrer, mais là, c'est plus prudent quand même. Ouais, on sait jamais. On sait pas où on fout les pieds. C'était par où, Léo? Je suis parti là vers la cave qu'on avait vue la dernière fois. Ah, ouais, c'est bon, je viens de retrouver. Ouais. Merde. Putain, on s'y perd là-dedans. T'as trouvé quelque chose? Ah oui, non, c'est... Attends, mais non. Non, mais c'est juste un squat. Léo, fais gaffe, t'es tout seul. Hein. Je sais pas comment descendre. Oula, mais fais peur, patronne. Peut-être je suis en bas, mais y'a personne. Hein, c'est... Hein. Et puis je vais sortir, puisqu'il y a des vapeurs... Ah ouais, tu m'étonnes. Mais attends, j'aurais bien aimé jeter un coup d'œil, mais... Ah, pétard. Je sais plus par où on descend dans ce bordel. Et comment ça se fait qu'un truc comme ça soit fermé s'il s'y passe rien? Léo, c'est pas normal. Pourquoi on prendrait le soin de fermer tout ça alors qu'il s'y passe rien? Si, il s'y passe des choses, t'as pas vu le bas là, c'est pareil qu'avant. Hein. Bah ouais, non, je trouve plus la cave. Oh merde, j'ai l'impression de passer 15 fois au même endroit. Ah bah là, c'est fermé. Je suis là, viens me chercher là et c'est en bas. Hein. Ouais, mais je te vois pas. T'es où là? Ah, je suis dans la cuisine. Ah, c'est... ah putain, je savais que j'étais pas loin. Eh merde, ouais, j'étais pas loin. Ouais, c'est pas grave, hein, on peut pas y arriver à chaque coup. Hein. C'est clean en bas? Ouais, ah, là bah, on merde. Dirait plutôt des trucs de méthamphétamine, hein, ou de... Enfin, ça m'a l'air un peu plus... Ouais, là plus c'est... Que la coke. D'ailleurs, là, tu as bien fait de dur. Mettre ton casque. Et faut pas rester longtemps, hein, par contre. Hein. Non. Ah ouais, c'est quoi ces vapeurs? Ouais, non, ça va pas nous faire du bien. Non, on va surtout tourner après. Oula, putain, quoi ça sert tout ça? Putain, mais dis-moi, tu crois pas qu'il y a un lien avec le type qu'on vient de voir, là? Eh, je sais pas. C'est assez louche, hein. Ah, parce que celui qu'on a croisé, il vend pas de la Wii, je pense pas. Honnêtement, je sais pas. Bon, on se casse, vaut mieux pas traîner là, hein. Ouais, parce que si on se fait choper... Ouais, non, c'est pas bon. Ah, tu as eu peur, hein? Mais j'ai pas compris ce que tu m'as fait, là. Oui, il a sorti, il a couru. Bon, on va planquer ça. Je suis tout sorti d'une porte. Raté. Ah, voilà. Léo, tu t'en sors? Pour l'instant, non. Ah, les hauts, les bas, il s'y perd. Hein.
T'es où, Léo? Là. Ah bon, mais... un mystère de plus, hein. Oh putain, par contre, attends, on n'était pas monté par là, hein. Allez pas vous faire mal, patronne, hein. Oh merde. Ah, désolé, c'est un réflexe, hein. Faut qu'on arrête de l'appeler patronne, merde. T'es sorti, là, ou... Ouais, bah on a trouvé. Tu montes l'escalier, faut remonter à l'étage. Léo, tu m'entends? Sûr, je t'entends. Ouais, on est remonté sur le toit. Vous êtes sorti? Ouais. Et je suis sur le toit aussi. Ah, voilà, je vous vois. Ah, ça y est, ah bah oui, d'accord, on était juste de l'autre côté. Voilà, les palettes. Voilà. Oh là, bah oui, vous êtes. Ah oui. Pas bête, patronne, pas bête. Voilà, j'ai peur un peu. Hop, tiens, ça va. Impeccable. Bon, bah, parfait. On n'est bon, pas plus aidé. Hein. Ouais, mais c'est quand même fermé tout autour, hein, ce qui veut dire quelque chose. Ouais, donc ça appartient à quelqu'un. Non, je pense pas que ça appartienne à quelqu'un en particulier. Hein. Enfin, bien sûr que si, hein, y a des gens qui bossent au sous-sol, mais... Je pense pas que ce soit très... Enfin, ou alors il le loue sous un faux nom, quoi, pour y faire ce qui est fait. Putain, par contre, là, je suis en train de regarder la carte, là, je sais pas si... je sais pas où il pourrait faire pousser ça, hein. Ouais, je sais pas, apparemment... Il ira pousser de l'herbe, on va pas ça chercher de l'herbe, armes, hein, dans les montagnes, un peu partout, en vrai. Ouais, bon, on essaiera de trouver des infos. Ou même en ville, hein, dans un entrepôt. Ça dépend, hein, ah, comment putain, ils font pousser, ouais, c'est si c'est faux, en ouais, intérieur, ouais. Si c'est en extérieur, ce que c'est comme herbe, si elle tient un peu la montagne. Putain, mais c'est pas con s'ils font, ils font ça en artisanal, ouais, c'est pas faux. Enfin, pas en artisanal, mais en ouais, artificiel, en quoi. Ouais, en inté. Ouais, j'ai pas les termes techniques, hein, moi, tu sais, tant que ça se vend. Ouais, je comprends. Bon, bah, écoute, on n'est pas plus avancé. Enfin, si, quand même, mais... il faudra qu'on se renseigne. Madame Moon, il faudra creuser hein, le sujet. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, et creuser aussi le sujet des poissons frétillants en or. Ouais, je poserai la question. Je vais en parlerai. Impeccable. Et parfait. Bon, d'ailleurs, faudra nous dire un petit peu, nous rencarder, qui est au courant de ces activités. Est-ce que ça reste bien entre nous trois ou est-ce que vous travaillez avec quelqu'un? Bah là, en fait, je travaille avec personne. Je vends pour quelqu'un, c'est tout ce qu'il y a. Ok, vous travaillez en solo alors, vraiment? Ouais, j'ai rien quoi à côté. Bon, ça marche. Bon, du coup, on est d'accord que tout ce qui se passe ici, ça reste entre nous trois. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est normal, hein. C'est le minimum. Non, mais il faut que ce soit dit, hein. Je préfère. Non, bien sûr. Voilà, on n'est pas des méchants gars, hein. On cherche juste à arrondir un petit peu les fins de mois comme vous, j'imagine. Oui, bah oui. Bon, eh ben impeccable. En tout cas, voilà, dès que vous avez d'autres infos, de vraies infos. ouais, parce que bon, là, pas là, fonction, hein. Ouais, là, ouais, déjà, chouant, là. Déjà des infos sur potentiellement, il y a trois infos qu'on cherche. Ou revendre si. Les... Parce que toi, tu on sais connaît déjà un vendeur. Comment revendre l'air, ça, c'est pas compliqué de revendre de l'air, mais ou revendre potentiellement des objets un peu plus de valeur. Ah ouais, ça nous intéresse, ouais. Et ou trouver de l'herbe. Mais je veux pas qu'on me la refourgue. Je veux la trouver. Enfin, je veux aller la chercher moi-même. Les intermédiaires, c'est pas trop mon. Eh, c'est pareil pour moi. Ouais. J'aime bien être 100% autonome. Ouais. Ouais, mais bon, après, si j'arrive à rentrer complètement dedans, après, ça c'est sympa. Et puis, bah, du coup, après, on verra pour surfiler des bons tuyaux. On voit. Ouais, soit en pourcentage, ou soit on crée une petite équipe de solidarité. Ouais, exactement. Bon, impeccable. Bon, bah, en tout cas, tenez-nous au courant pour tout ça. Le Golden Koi, pareil, hein, savoir un petit peu l'avenir, parce que... Oui, bah, pour l'instant, on discute avec tout ce qui est le gouvernement et tout le bazar. Mm-hmm. Et puis, je pense que bah, si... Il y a du si vent dans votre casque, c'est horrible. Oui. Si retirez votre casque, peut-être. Si ça va. Ah, oh, ah, voilà, ça va mieux. Ça va aller. Et
c'est pire. Nous, normalement, la compta va être trop faite parce que, avec la nouvelle économie, la compta est plus à jour, en fait. Ah, bon, d'accord. Bon, de toute façon, j'ai pas bossé hein, cette semaine, donc c'est pas grave. Ouais, mais non, non, mais puis bon, faut que j'essaye de voir là pour récupérer toutes les matières premières là, parce que bon, c'est un peu compliqué. Moi, je vais pas faire ça. Ouais. Là, non, non, mais ça, on est d'accord. Hein, on a peu de temps. L'idée, voilà, c'est de bosser peu et de rapporter beaucoup. Ah oui, voilà. Que ce soit une bonne idée. Voilà, en vendant du riz ou autre chose, quoi. Bah, je sais que quand on revend pendant une heure, ça rapporte 2000 à l'entreprise. Mais c'est tout. 2000? Ah oui, non, mais c'est... Ouais, ok. Et encore, ça, c'est que la part entreprise. Ouais, c'est tragique. Oui. J'espère qu'on revendra mieux nos poissons. Putain. Fait, ce qu'il y a, c'est que vu que l'ancienne compta est toujours d'actualité avec l'ancienne égo, la dernière fois, j'ai fait quasiment 5000$ de revente. Ouais. Ouais, j'ai touché sur les reventes aux citoyens, j'ai touché 500$. Hein. Ah oui, ah oui, oui, il manque un bout, effectivement. Hein. Oui, oui, un énorme bout. Là, hein. Oh la vache, ouais, d'accord. Ouais, non, bon, c'est peut-être pas le plan sûr pour le moment. Alors. Non, non, j'attends la nouvelle compta normalement la semaine prochaine. Mm-hmm. Donc, début de semaine prochaine, j'aurai tout ça. Impeccable. Bon, bah, on se tient au courant, en tout cas, Madame Moon, mais... Ouais, ouais. C'est et la puis, deux... si jamais je garde le Golden Koi, on pourra toujours mettre ça dans la réserve. Ça, oui. Oh. Ça, c'est-à-dire ça Ce qu'on parle, quoi. Ah, oui, non, mais on parle bien de la même chose. Non, mais ça, c'est une très, très bonne idée. Ah, oui. Comme ça, ça évite d'en avoir sur nous, et puis... Ah non, et puis du coup, ça fait... C'est la planque idée. Ah oui, non, je suis complètement attends, d'accord. Attends, c'est quoi? Vous voulez tout mettre à l'entreprise? Mais ouais, bah oui, vu que je suis la patronne. Ça. Ouais, c'est pas bête. Putain, bah après, il faut voir avec Johan ce qu'il en pense aussi. Hein. Bah, de ce que j'ai compris, Yo-Yo, il revient pas pour l'instant. Ah, merde. Ah, mais faut savoir quand même quand il revient, parce que ouais, ça parce serait que con si... qu'il voit 200 kilos d'herbe dans le ouais, non, non, mais de toute façon, je l'avais prévu que... Ce serait con qu'il assaisonne le saumon avec l'herbe qu'on a chopé, quoi. Ah ouais, non, non, mais un bon saumon. Moi, je veux des sushis. Ah ouais, il est au courant de vos activités. Ouais, oui, après, ils s'en fichent. Ouais, je pensais pas qu'on était aussi décoincés au Golden, hein. Ah. Ouais, c'est une belle entreprise. Mais tu vois, je t'avais dit, Léon. Mais nous, on parle pas de ça entre collègues et patrons. Hein. Ah, mais c'est différent. Madame Moon, je sentais qu'on pouvait faire affaire. Non, mais c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est une personne atypique. C'est la deuxième fois que je vous dis ça, mais voilà, c'est un plaisir de travailler pour vous, Madame Moon. Enfin, avec mais vous. Mais y a pas de soucis. Tenez-nous au courant, et puis vous savez qu'on est là, qu'on est dispo, on est sûr. Ouais, il y a pas de soucis. On est efficace, tout ce qui nous manque, c'est des infos. Hein. Oui, de toute façon, je vais essayer de me renseigner, de toute façon. Puis, exactement. J'en parlerai par rapport à vous au monde. C'est ça, on est des magiciens. Toute info, on le transforme en dollars. Vous allez voir, c'est fantastique. Bon, Madame Moon, il se fait tard, je vais aller... Je vais aller me faire dormir les yeux, là. Ouais, parce que bon, ça commence à piquer. Allez, bonne c'est nuit, sûr. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Moon. Hein. Bonne nuit. Tu me ramènes Ah bah, bien sûr. Allez. À bientôt, Madame Moon. Hein. Vous avez vu, j'ai pas dit patronne. Faites attention, sur la route. Hein. Ouais, y'a pas de soucis. Allez, bisous. Eh merde, c'est moi qui le dis, ça. Non, il voulait dire pas bisous, hein, pardon. Oui, j'ai voulu dire ce que j'ai dit. Ouais, tu dis ce que tu dis. Allez, bisous. Oh, ouais. Merde. tu pourras dire, oh putain, le con, il m'a tout pris. Oh merde. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu encore, ça m'étonnait. Ouais, c'est vrai, j'étais moins fort. Mais j'étais concentré, là, je me disais. Ouais, j'ai putain, senti ça. T'as vu les vaches à côté, là? Où ça? Derrière. Comment ça, derrière? Attends, je les vois pas. Tu vois pas les vaches? Ah si, c'est bon, oh la vache, oui. Ouais, ouais c'est oui. Belle, c'est un orange ça. Putain, attends, mais c'est là, non, la ferme. La boulangerie. Ouais. Bah, ouais, en fait, c'est de ce côté-là. Bah bon, on n'est pas venu là pour faire des baguettes.
Ouais, pour ce soir, moi, ça me va. Hein. Ouais, je pense que c'est bien. Je te ramène où, mon petit Léo? Et à ma voiture, tiens. Puis après, de toute façon, je vais aller dormir à notre appart. Hein. Eh ben oui. Ouais, donc à ma voiture, enfin, attends, hein. Même pas, en vrai. Si on... Je peux si la laisser on... garer là-bas aussi. Hein. Si on nous a pas expulsés, hein, d'ailleurs. Oh, tu penses? Non, d'ailleurs, je pense faudra pas, aller mais... payer. Hein. Faudrait oui, envoyer il faut... un mail, peut-être. Dès qu'on peut, faut aller payer. Et il me paraît être reparti vite, hein, le monsieur. D'ailleurs, j'avais arrêté ma conversation pour pas donner de nom devant Madame Moon. Mais ouais. Du coup, le gars, là, on m'avait dit qu'il s'appelait Miller. Miller? Oui. Ok, d'accord. Putain. Voilà, donc voilà, si jamais on te parle d'un Miller, tu sauras qui c'est, quoi. Ouais, bah écoute, c'est bon, hein. Mais moi, j'aimerais bien lui faire cracher, quoi, lui faire comprendre que... Ouais, crache enfin, attention. L'oseille. Non, mais non. Je pas... rigole. Ouais, pas dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt. Non, mais je tu rigole. Vois. Les informations, ça serait bien exactement. De pouvoir connaître quelques parce trucs. Que, tout ce qu'il fait là, ça a pas l'air super super légal. Il est trop discret non, mais surtout pour être que honnête. Là, il s'est posé en avion. Ouais. Il a fait un tour en bagnole. Il a mis 10 minutes en bagnole. Donc ouais, c'est il s'est débarrassé d'un tour, truc où il a récupéré il a quelque mis chose. 10 minutes en bagnole, donc exactement. C'est même pas le temps d'enterrer un corps. Hein, donc c'est une transaction ou un truc. Hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est et, une livraison. Et il a repris l'avion. Non, mais c'est pour ça. Il y a quelque chose de. Bah voilà, ça pue l'illégal. Ouais, non, et ça ouf. Pue l'illégal à très haut niveau, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, ça pue. Non, voilà. Non, là, ça pue la mafia un peu. Bon, on est d'accord. Mais un mec comme ça, il s'est pas construit directement en commençant par des petits tours en jet et en 4x4. Il a forcément commencé quelque part. Donc, non, mais bien sûr. Voilà, il peut peut-être nous rencarder sur des trucs sympas. Et je crois que c'était un ancien maire. Ah ouais, en tout vraiment. Cas, il était connu. Ouais, il était dans la politique à un moment avant. Parce que moi, quand je l'ai croisé, ouais, il m'avait dit un truc bien. Dans le genre. Ouais, ouais donc, mais tu sais, les maires, c'est tous les mêmes. Hein. Oui, non, et c'est sûr, mais ouais, c'est véreux hein, de base. Pour l'argent, mais... hein, pas pour l'amour du peuple et la bonne santé de tous. Hein. C'est vrai, t'as bien raison. Ouais. Mais bon, je sais pas comment lui poser la question. C'est pas le genre de mec où tu lui dis tu fais de l'illégal et il va dire ouais, ça. À mon avis, il est pas assez con pour ça. Hein. Ah oui, non, lui, non, ça va pas être aussi facile qu'avec Madame Moon. Ouais, bon, non, par contre, Madame Moon, je pensais avoir une info en plus, mais elle nous a emmené voir le jumeau de GG, là, non? Ouais, c'est ça. Je m'attendais à du croustillant, je m'attendais à du palpant, mais c'était pas ouf. Hein. Non, c'était pas mal. Bon, après, moi, je suis gentil, je lui ai partagé nos infos. Hein. Franchement, je lui fais confiance. Oui, non, je pense qu'on peut... Mais justement, tu vois... Madame Moon, c'est justement la personne où tout le monde va lui faire confiance. Parce qu'elle est sympa, elle est rigolote. Donc on lui dit tout et on se méfie pas. Mais du coup, non, ça mais veut bien dire sûr, que... Mais tant qu'elle trahit pas la confiance, moi je m'en fous. Tout non, le monde peut non, lui faire non. confiance. Hein, tant bah, que, par tant contre... que les mots ne sont pas... Ouais, je pense qu'il faut faire quand même attention un peu à ce qu'on lui dit. De notre côté. Par contre, dans l'autre sens, tout ce qu'elle va entendre, tout ce qu'elle va choper un petit peu comme info là, de ses collaborateurs... Je pense que c'est le genre de personne qui peut nous les donner, quoi. Tu vois ce que je... Oh. Ouais, elle a l'air... Oh, putain. Ça va? T'as pas l'air bien, là, mon grand. Non. Ça va pas. Oh, merde. Putain, t'as pas bouffé, toi. Oh, putain. C'est l'alcool. Oh, merde. Bon, attends, je mange un bout parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. Défibrille. Ouais, je vais t'aider, mon grand. Putain, je savais que j'avais bien fait de le prendre. Bouge pas, hein, je lis la notice. Oh merde, mon petit Léo. Attends, bouge pas, j'arrive. Oula, attends, j'ai tout ça sur moi, merde. Léo, tiens bon, mon grand, ça va aller. Je lis la notice du défibrillateur. Hein. Alors. Ça. Ça. Et deux Rolex. Ok. Il y en a qu'un, bordel, c'est pour ça.
Ok. J'arrive, mon petit Léo, j'arrive. Hein. Je suis pas urgentiste. Hein. Oh merde, et comment je te sors de là? Ah bah... Excuse-moi, je suis un peu brut, j'ai pas les gestes qui sauvent. Hein. Alors, attends. Ça va, mon grand? Attends, putain, comment ça fonctionne, cette merde? Oh là 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 là. Je vais y arriver, mon grand, hein, t'inquiète pas. Hein. Ok, bouge pas, et laisse-toi faire, ça va bien se passer. Alors attends, comment? Si je branche ça là, tac. Ok, tu vas sentir un petit choc, c'est normal. Hein. Alors? On n'attend pas Patrick? Pardon. Oh, attends, je vais... Ça va, mon gros? Ah ouais, j'étais desséché là. Mais putain, mais quoi? Comment tu te sens? Ça va? Ouais. Ah ouais, je me sens tout électrique. Mais tu boites pas, t'as pas de blessure? Bon, je pense pas. Hein. Sinon, j'ai la trousse de soins. Hein. Oh, ça a l'air d'aller. Ouais, bon bah mange un bout. Oh putain, ouais, c'est être avec toi ça. Et pour une fois que c'est pas moi. Tu vois, j'ai été visionnaire sur ce défibrillateur, hein. Il en faut toujours un dans la voiture. Hein. T'as bien fait. Moi j'en ai plus d'ailleurs. Donc j'essaye de manger. Ah, c'est bon, t'as ce qu'il faut. Ouais, c'est bon. Mais j'ai pas de défibrillateur. Prochaine fois qu'on passe à la pharmacie, on en reprend. Hein. Je peux te dire que ça sauve des vies. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, t'as été bien réactif. Hein. Merci à toi. Et encore, j'ai galéré avec la notice. Hein. J'étais pas vraiment habitué. Hein. Ouais, non, mais y a pas de souci. Bon, par contre, t'aurais pu me sortir un peu plus gentiment de la voiture. Là, j'ai eu l'impression d'être sorti d'un coffre. Mais sinon, ça va. Je te dis, hein, je connais pas encore les gestes qui sauvent. Hein. Moi, je fais à l'ancienne. Hein. Ah, écoute, c'est le résultat qui compte. Hein. Ouais, je suis là, c'est déjà pas mal. Ah, écoute, c'est ça. Hein. Bon, ça me fait plaisir de te revoir parmi nous. Oula! Oh, il s'est passé quoi? T'as vu comme il Non, j'avais la tête ailleurs. Ah, putain, elle a pris complètement à droite. En sens inverse, tout va bien. Bon, j'ai reposé dans la boîte à gants les poissons. Hein. Ah ouais, oh, moi je le garde sur moi, du coup si on va à l'appart. Ah, de... Ce que tu penses là? Ah non, les poissons, mais... Dans ah oui, non, les poissons, faire. ouais, on les laisse là, hein, c'est plus prudent. Hein. Tiens, d'ailleurs, faudrait vraiment que je repeigne la moto, NC4. Elle est quelle couleur? Ah mais elle était pas mal, non? Elle ouais, était noir, ouais, c'était pas mal, mais... C'était plus attiré un peu sur le rouge. Hein. Moi, franchement, j'aimais bien la couleur. Avec le soleil, ça rendait vraiment. Ouais, pas mal. Tu m'avais dit, mais je sais pas. Bon, et puis voir un petit peu ce qu'on peut améliorer dessus, parce qu'elle est un peu brute de pomme. Là. Ah, c'est vrai que t'as rien fait dessus encore. Ouais, non, elle est juste sortie d'usine. Hein. Ah, non, mais faut voir. Mais si jamais, pas ce soir, hein, parce que pas ce soir, c'est tout. Mais si jamais un jour tu viens et je te fais ça au black, ouais, parce que je pense que clairement. Je vais bientôt démissionner ou à voir. Mais si vraiment je te fais ça au black. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, vas-y. Tiens, et si on. Tiens, c'est quoi, je vais laisser. Elle a raison, Madame Moon, on va laisser tout ce qui est butin ici, hein. c'est pas une mauvaise idée. Hein. Et non, mais dans la voiture, tu les prends sur toi. Mais non, sur moi, j'ai pas confiance. Mais là tu laisses mon butin au golden. Ben ouais, mais c'est encore le plus sûr. Imagine, on se lève demain, on sort, on se fait contrôler. Ah bah hé, comment ça se fait que vous ayez ça sur vous, monsieur le vendeur de sushi? Le plus sûr, c'est dans la voiture, dans le garage. On va au garage, tu gardes ta voiture, on va à la maison avec la mienne et je te file les clés. Et non, mais, ça, on, la garde mais devant. On est dans un garage, mon petit Léo. C'est le garage du golden, mais je peux garer ma voiture ici. Ah bah voilà, mais garde ta caisse ici. Alors. Et voilà, c'est ça. Et au moins là, c'est en sécurité. En plus, c'est pas au parking central. Ah, c'est... Mais moi, je croyais que tu voulais les mettre dans les coffres avec les sushis. Non, ah non, je mets pas ça là-dedans, c'est mort. Non, ah, mais par contre, on garde ça côté golden, quoi.
Oui, vas-y, ça me va. On a le bon petit plan là, c'est bon ça. Ah, putain, il faudra vraiment que je la fasse réparer, hein. Comment ? Ah, c'est un réflexe, c'est ce qui appelle le voiturier. Allez, on va prendre la moto. Ah. J'ai un problème, je rentre pas dans ma voiture. Ah merde, ouais, faut que t'insistes. Ouvre-la, ferme-la, ouvre-la. Et ensuite t'essaies de monter. C'est une sécurité. Voilà. Ah, ouais, ouais. La Mat Mobile, elle me faisait la même chose. Tiens, attends, d'ailleurs. Pendant que j'y pense, mon petit lot. Ouais, je te donne la clé de la moto aussi, on sait jamais. Ah, vas-y, mais faudra. Attends, tu vois comment on fait ? Récupérer les clés. Alors déjà, ça oui, c'est la base. Déjà. Et ensuite après c'est dans tes poches, sous ton portefeuille, tout ça là. Ah. Tiens, hop, ça c'est les clés de la moto. Eh, hey, merci. Nickel. Attends, je te fais un double si reste là. Mat mobile, mat moto. Bam. Et voilà, normalement je t'ai donné un double de la mienne. Ah oui, la Weeville. Parfait, la petite Weeville. Impeccable, merci. Ah nickel, mais ça c'est pratique par contre. Ah oui, ça c'est génial. Allez, un bon casque. Ah voilà. On se retrouve à l'appart ? Ouais, on se retrouve là-bas. Allez, c'est bon. À tout. Allez, à l'heure. Route, hein. Ne te mange pas un mur. Attends, on est au combien déjà ? Attends, mais c'est où l'appart ? Il y a même pas marqué. Non, moi, je crois que c'est le. J'ai en tête 8009. 8209. Non, c'est pas 8009. Attends, il est où lui ? 8209. Ah ouais, t'es sûr de ça ? Ouais, je pense. Allez, moi je vais là-bas. Attends, c'est où le 8209 ? Ah putain, oui, t'as raison. Allez, c'est parti. Wouah ! Attends, j'ai passé le permis moto, je me rappelle plus. Oui, si, on l'avait passé le permis. Oula, oula ! Je t'ai vu, tu as failli te manger la voiture blanche. Non ? Et je t'ai vu, non ? Même pas vrai ! Quel plaisir, une petite moto. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de flic en ville à cette heure-là. Hein. Putain, je l'ai bien en main. Hein. Hey, t'as bien suivi, dis-moi. Ouais, franchement, j'ai tout donné. Ah bah ouais, parce que il y avait des voitures, j'allais pas à fond, mais j'étais pas au ralenti, quoi. Ouh là 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 là, ça va. Voilà, je me suis garé à peu près. Putain. Bah, c'est
Voilà, je réparerai au garage demain. Allons vérifier, allons vérifier qu'on n'a pas été expulsé. C'est vrai ça. Ouais, d'ailleurs, un jour, il faudrait que tu me montres le toit. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on t'a pas montré. Hein. Ah, ça va ? Ouais, ouais, je faisais ça discrètement. Ah, oh putain, quel plaisir de revenir chez soi. Ouais, franchement. Avec en plus la dame est sur le mur. Plaisir à voir. On sait toujours pas qui c'est celle-là. Ah oui, c'est là-dedans qu'il y a l'écran géant là. Ouais, toi tu as celle-là là. Ouais, dans celle-là il y a une petite télé. Mais il n'y a pas d'écran géant aussi. Non, non, je crois pas, hein. c'était dans ma tête. Hein. Ah ouais, on n'a pas d'écran géant, je crois. Non, il y a juste cette petite télé, là. Tiens, attends, j'ai bien envie de passer un truc. C'est pas mal. Ah, vas-y, mets-nous un petit truc. Je vais te montrer un truc sympa, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ah, vas-y. Je te fais confiance, hein, c'est pas une connerie. Hein. Non, 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 t'inquiète pas. Bonjour. T'inquiète pas. Bonjour camarade, je m'appelle. Tac. Alors, attends, comment ça fonctionne le bazar là ? Un scaplog là. Oh, tu veux du vin ? Ah bah tiens, oui, c'est pas mal, vas-y, ouais. Pendant que je lance le film, ouais. Alors, / TV, YouTube. T'es pas obligé de mettre YouTube. Ah, voilà, un petit verre. Allez, vas-y, je lance le film. Ah, allez, vas-y, mets-le. On se mate ça. Ah, ça y est, ça charge. Hop. Ouais, t'es sûr, ça a l'air de pas marcher. Bah, je sais pas, ouais, j'ai appuyé sur play. Alors moi, j'ai une petite... Ouais, je vois la même chose que toi. Attends, c'est bizarre. Non, je pense pas que tu vois la même chose que moi. Moi, j'ai un petit point d'exclamation. Ah oui, non, moi, je vois pas ça, ouais, effectivement. Attends, parce que s'il faut, je m'y suis mal pris. Hein. Ah ouais, ça, y'a que toi qui peux savoir. Attends, attends. Merde, comment ça fonctionne ? On va pas passer 2 heures là-dessus, mais... attends, je vais retenter un truc, mais c'est bizarre. Non, mais peut-être que c'était juste ça, non ? Ah bah bonjour voilà. Camarade, je m'appelle Alosser Chaidza. Ah voilà. Ah ça marche. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Twitch. Putain, il a l'air sympathique. Ouais, c'est pas dégueulasse. Hein. Enfin, en tout cas, il fait beaucoup d'efforts, ça se sent. Hein. Il pouvait pas se mettre nu. Ouais. Un petit vin. Des jeux communautaires. J'avais hâte de le voir. Ouf. Non, mais sérieux. Oh. Oh, ce mec dessine super bien. Ouais, ouf, il est tombé de haut. Ah ouais, c'est ce qu'ils appellent un fail, les jeunes, là. Ah, mais ah c'est ouais, pas mal, ça. C'est le truc à Among Us, là, ou je sais plus quoi, là. Ah, c'est ça. Oh, putain. Il faudrait qu'on branche une console, si jamais, ici, pour se faire un jeu ou deux. Eh, ça peut être sympa, ouais. Bon, moi, je suis plus PC, mais ouais, ouais, pour... un petit truc pour pouvoir jouer. Après, voilà, ouais, pour les petites soirées entre amis, c'est sûr que c'est plus sympa. Ouais, ouais, ouais non, franchement, par contre, ça a bugué là. Bah, ouais, bah, putain, je crois que c'est le réseau. Hein. il a une bonne gueule comme ça. Hein. Oh, il a une de ses tronches, le mec, laisse tomber. On dirait qu'il nous fait un bisou. Hein. Ouais, ouais, avec un gros aussi, bouton blanc sur le pif, t'as vu. Ouais, je le vois. Il a pas l'air en forme, le garçon. Aïe aïe aïe, bon mon petit aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais me coucher. C'est le vin, je pense. Je vais te suivre. Ouais, bah tiens, moi c'est le vin qui va m'endormir là, tu sais quoi.
Bon, comment on fait pour les chambres? Eh, prends la belle chambre pour l'instant, ça me dérange pas. Ah, c'est sympa. Bah écoute, on, ouais, non, on fait comme ça. Oula, oh, bah t'es déjà... t'es déjà parti. Ouais, je laisse ma chemise ici parce que je sais, ouais, j'ai non, pas vu raison. Un peu pour la machine à laver et tout, mais j'ai vu un peu des dessous de bras, donc je préfère la laisser sur le canapé, sinon ma chambre elle va puer. Ah bah c'est clair, bah tiens, je fais pareil. Voilà. Bon. Ouf, oh putain, le lit est loin. Ah, oui. La vache. Bon. Eh ben, bonne nuit. Bonne on nuit, mon petit Léo. Au réveil, si tu es là. Yes, et puis encore bravo. Hein. Ouais, félicitations putain, à nous. Putain, hein. C'est vrai que première pêche, là, ah, ça fait plaisir. Hein. Ouais, enfin un poisson, quoi. Et ça mord pas tout le temps, mais quand ça mord, ça fait vraiment plaisir. Et quand ça mord, ça fait pas semblant. Maintenant, faut juste trouver le vendeur de poisson. C'est vraiment sympa. Putain, j'ai bronzé avec le t-shirt. Putain, non, mais moi je. Bronzé avec la chemise, regarde derrière là. T'as vu? Ah, tu sais, là, je vois un peu bizarre. Hein. Ah ouais? Ah ouais, t'as pris un coup de soleil. Tu vois le bronzage, chemise? Ouais. Ah ouais, t'as pris le coup de soleil. Ouais, putain. Et en plus, ça ouais, ondule. C'est pas grave. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, mon petit Léo. Ah. Ah, mais attends, je peux me le mettre dans la chambre? Mon dieu, mais il est partout ce type. Non, ça marche pas. Ah bah merde, j'ai décué. Ah. C'était bon ça. Oh putain, merci en tout cas. Je vais juste. Oh, tu as vu, hein, j'ai mis un ballon dans ta chambre. J'allais dire, je vais juste mute au cas où. T'as mis quoi, mon petit Léo? J'ai mis un ballon dans ta chambre. Un ballon? Attends, un ballon. Un ballon. Ah, un ballon de vin, tu veux dire? Non, tu le vois pas. Non, par contre, je vois les talons d'une dame. Un ballon, ici, là. Un ballon. Attends, est-ce que c'est la préparation d'un jeu de mots? Non, pas du tout. Tu le vois pas, là? Non. Ah, ok. J'ai dû trop boire. C'est pas grave, hein. Ça va ça pas arrive. Mon petit Léo, couche-toi, ça va te faire du bien. Mais viens voir dans ma chambre de ce moment. Ah alors. Putain, ouais, vache. Ah bon Léo, ce que tu me fais pas faire, je suis claqué. Ouais. Moi. Est-ce que tu vois un ballon dans ma chambre? Ah bah oui, là je vois un ballon, ouais. Ah oui, bah il est plus là, hein, et tu as trop bu aussi. Ah bah oui, bah tu vois comme, comme quoi. Non, pour, okay, moi, bon. il a pas quitté ta chambre. Hein. Ouais, bah écoute, pas grave. Bon, allez, bonne nuit, mon petit Léo. Allez, bonne nuit. Allez, des bisous. Enfin, non, pas bisous. Ouais, si, un gros bisou. Ah, putain, les petits loups. Bon, je crois que cette fois, c'est la bonne. Et on va pas tarder à aller se coucher, putain. C'est difficile de faire un live court sur du GTA. Hein. Parce que je m'étais promis de pas essayer de rester trop longtemps. Parce que évidemment on est en début de semaine, je valide. et ouais, on est en début de semaine et du coup voilà, dès que je fais des lives un peu trop claqué les lundis machin etc, bah forcément derrière j'ai du mal à suivre quoi. J'ai du mal à suivre. Mais là ça va, 1h du matin, on se lève dans 6h, ça devrait aller. Demain on essaie de s'en refaire un petit en vrai. Hein. Alors peut-être pas du GTA, peut-être qu'on ira sur Worms, tout ça. Enfin, en vrai, je pense qu'on verra avec la commu un petit peu ce qui vous tente, tout ça. Mais dans l'esprit, c'est ça, c'est relive demain. Mercredi, ce sera un repos. Et encore une fois, bien sûr, quand je dis tout ça, bah, c'est à condition que mon planning ne change pas pour demain. Mais voilà, normalement, on devrait s'en sortir avec un petit live commu, moins long qu'un live GTA, évidemment. Mais voilà, on verra ça demain. Je vous confirme tout sur Discord, les gars. Comme d'hab, je remets pas le Discord, hein, je pense que... La plupart de ceux qui sont encore là font déjà partie de la commu. Et merci en tout cas d'être là. Merci aussi aux viewers qui sont passés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde, notamment de gens du serveur, etc. Merci beaucoup. C'est super sympa. Ça soutient. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui est un petit peu intéressé par ce genre de live. Et, parce que voilà, moi je prends du plaisir à le faire. Surtout quand ça fonctionne. Mzungu, on débriefera ensemble. De tout ça évidemment, mais
Ah putain, ce que c'était plaisant. Moi, j'ai passé un bon live, ce qui contraste avec les précédents, où on quittait en fait le live avec, même le RP en fait, de façon générale, on le quittait avec une frustration. Là, clairement, elle est pas là. Clairement, elle est pas là. Le côté weed, machin, etc., on trouve pas. Faut trouver des indices. Ça fait partie du RP. Ça fait partie du RP, donc ça me gêne pas du tout, au contraire. Mais par contre, ouais, de pouvoir juste casser une vitrine, parce qu'on a, enfin l'équipement, et puis c'est enfin bien, bien codé derrière, ça c'est un petit plaisir, quoi. Donc on verra tout ça, on débriefera là-dessus mon petit Mzungu. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Évidemment, je vais poster la rediff sur YouTube. J'espère juste que la phase du début là avec ces petites musiques non libres de droit ne va pas tout me pourrir. Donc encore une fois, si vous avez regardé la rediff et que ce passage là en fait vous avez juste une longue musique dégueulasse, c'est que j'aurais pas eu le choix. c'est que derrière il y a un petit strike qui est tombé. Je vais le savoir bien vite hein, de toute façon. Donc voilà, merci en tout cas à tous les viewers. Merci à toi Mzungu pour ta participation active à ce petit RP, c'est toujours sympa de RP avec toi. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi je suis content d'être venu sur ce petit RP, continuer un petit peu l'histoire de Matt Morel. On n'a pas envie de lâcher un personnage hein, auquel on est attaché en vrai, hein. c'est plaisant. Hein. C'est plaisant, Guadados, merci pour le live, bonne soirée à tous, merci à toi Guadados, merci pour ta présence, pour ta fidélité, j'espère que t'as passé un bon moment, j'espère que c'était sympa, Mzungu, bisous à tous, bonne nuit à toi aussi camarade, voilà, c'était top, moi j'ai passé un moment de fou, et ouais, j'ai hâte d'y retourner en vrai, j'ai hâte d'y retourner parce que là, il commence à y avoir du potentiel RP, quoi, et ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Athénaria TV, si tu passes par ici ou si tu es toujours là, faut que tu règles ton problème de vent dans la bouche. C'est dommage parce qu'il y a certaines scènes RP qui sont un petit peu gâchées parce qu'on t'entend très mal. Mais bon, après voilà, tant que ça n'implique pas de dépenses ou de trucs comme ça, évidemment. Hein, mais je veux dire, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne t'entende pas toujours très très bien. C'est la vie. C'est la vie. Mais en tout cas, c'est un plaisir de RP avec toi. C'est un plaisir d'avoir créé ce lien entre nos personnages. Enfin, il y avait déjà le lien du Golden, mais là, il y a un lien illégal. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, la camaraderie se fait des contacts. Et ça promet de belles choses. Je vais arrêter de parler. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais pas me retenir plus longtemps. Je vais sauter dans le lit. Et voilà, je vous remercie encore une fois, vraiment du fond du cœur, ça m'a fait plaisir de live ce soir, ça fait toujours plaisir de live avec vous, mon travail m'éloigne de ça, mais putain, si je pouvais vivre de ça, les gars, je vous jure, enfin, c'est pas un appel au sub ou machin, etc., c'est vraiment si demain j'arrive à faire de, pas forcément de Twitch, mais de YouTube, tout ça, mon métier... Ce serait le bonheur. Donc voilà, mais c'était un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver au prochain live. Des bisous, soyez sages, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao.
où elle est la poulette ?